Bonjour Christophe. Bonjour Pascal, voilà. Alors on se retrouve, c'est le cas de le dire, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger précédemment, puisque de fait tu nous as fait part de ton parcours en tant que moine. On pourra y revenir brièvement pour savoir d'où tu parles, mais aujourd'hui on souhaitait de manière plus spécifique en fait, parler entre autres de ta contribution à un livre qui est paru tout récemment en 2023, voilà, au service de l'Église. Alors, c'est un titre, j'ai déjà envie de dire, lourd de sens, que l'on pourrait effectivement entendre comme au service de l'Église. Et la question se pose de savoir si éventuellement le service de l'Église peut éventuellement amener, dans certains cas, tout le moins, au sévice de l'Église, d'où ce titre un petit peu ambigu avec ce sous-titre religieuse abusée, mettre fin à la loi du silence. C'est un livre qui est paru, si je puis dire, sous la direction d'un journaliste, Jean-François Laville. Alors c'est un peu étonnant parce que c'est un journaliste à la base qui est un journaliste sportif et qui s'est intéressé en fait de très près à une situation qui n'était pas évidente, qui était complexe à entendre, à comprendre, d'autant plus que Jean-François Laville n'était pas a priori quelqu'un du Sérail et qui pouvait éventuellement comprendre d'emblée ce dont il s'agissait. Donc il a fait, je dirais, un travail d'investigation extrêmement approfondi à l'occasion, je pense, d'un échange un petit peu impromptu avec une sœur qui s'appelle dans le livre sœur Camille, mais qui préfère rester anonyme puisqu'elle était en train de quitter une communauté, donc c'était pas forcément évident pour elle de prendre la parole, mais en tout cas, elle a pu par la suite, elle, avec ce journaliste Jean-François Laville, rallier, si je puis dire, d'autres témoins. Alors, pour être quand même complet, je les citerai. D'abord, il y a eu deux pionnières, deux lanceuses d'alerte, Michel France Pesneau, de la communauté Saint-Jean, qui a de fait été abusée par les frères Philippe. Il y a Anne Mardon également, qui est bien connue sur la chaîne et plus largement, qui a été Voilà. membre de Jérusalem quand l'Église détruit et Silence dans l'Église. Donc deux livres extrêmement prenants, bien écrits, qui dissèquent une réalité et qui permettent déjà d'expliquer en réalité ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir les sévices de l'Église. Il y a également Caroline Pierrot qui, elle, a fait partie à un moment donné des Béatitudes. J'ai vu également qu'il y avait comme autre participante au livre Émilienne Sakouni ou Sakougri et Catherine qui ont été travailleuses missionnaires. Et également le père Lazare, Christine Na, qui était ordonnée prêtre en Floride par en fait une évêque femme. Et donc il y a également comme autre contribution Christophe, la tienne. Alors, Oui. je le disais, tu as été moine et en façade, on pourrait croire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, puisque comme souvent, il y a un idéal extrêmement fort, extrêmement prégnant, parfois quelque chose qui est perçu comme un appel de Dieu. Et toi, si tu peux un peu nous rappeler quel était ton vécu dans un monde qu'on peut qualifier de traditionnaliste. Oui, alors je suis rentré dans ce monastère. Qui n'était pas reconnu par l'Église, qui était très cloîtré, qui est une communauté qui se cherchait à Flavigny-sur-Oserin. Je suis rentré le 2 février 1979 suite à une retraite, une prédication selon les exercices spirituels de Saint Ignace avec beaucoup d'insistance sur l'enfer, le salut éternel, etc. Voilà, ils voulaient me faire rentrer tout de suite avant même de passer mes concours pour les grandes écoles scientifiques. Heureusement, ou malheureusement, enfin, j'ai attendu un petit peu. Je suis rentré une fois que j'avais été admis dans cette grande école. Et voilà, j'étais 15 ans dans ce monastère. Alors, le piège de ce monastère, c'est qu'au début, il était très, très intégriste et que je voyais bien que voilà, ça ne me convenait pas, même si j'étais ordonné contre ma volonté, puisque la règle de Saint-Benoît demande à renoncer à sa volonté propre. Par Monseigneur Lefebvre, j'étais ordonné diacre en 84. Mais alors, évidemment, comme il se rétablissait, je pense que j'aurais quitté plus tôt s'il était resté dans cette ligne-là. Mais comme il se rétablissait avec l'Église, etc., ben, je suis quand même resté chez eux. Et ensuite, j'ai demandé une année sabbatique qui m'a fait découvrir les fraternités monastiques de Jérusalem. Finalement, cette année sabbatique a duré 5 ans. Voilà, grosso modo, je résume ça. Et en fait, même si maintenant l'abbaye Saint-Joseph de Clerval
est reconnu par l'Église, semble en bon terme, fait des fondations, notamment à Solignac. Je crains qu'ils soient restés dans le même état d'esprit. De toute façon, ils ne veulent pas réparer les dommages commis envers d'autres moines. Hein, il n'y a pas que moi. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est grosso très résumé. Tout à fait, Christophe. Mais je renverrai également à nos échanges précédents qui permettront, le cas échéant, ceux qui le souhaitent, d'aller beaucoup plus loin dans ton propre parcours de vie, si je puis dire. Mais pour rappel, la communauté, tu l'as quittée quand? Quand quelque part as-tu fermé la porte et t'es-tu mis j'ai envie de dire, à reprendre ta liberté en main? Alors, la liberté, elle n'est jamais acquise. C'est-à-dire que pour moi, mon parcours, c'est une sorte de millefeuille. Et d'ailleurs, l'Église catholique elle-même me semble une sorte de millefeuille. C'est-à-dire que, voilà, moi, je me suis toujours senti, étant quelqu'un de suradapté, j'étais là où j'étais, mais j'étais jamais à l'aise là où j'étais. Oui, alors, donc, je pensais avoir. Ah, de toute façon, la liberté, je ne pensais pas avoir prise tout de suite, puisque j'ai demandé une année sabbatique. Après, j'ai découvert une communauté, les Fraternités Moines de Jérusalem, et au début, ça semblait bien, et comme je le dis aussi dans le livre, eh ben, je me sentais tout de suite aussi, voilà, ça clochait surtout l'emprise qu'exerçait ou que voulait exercer le fondateur supérieur, Père Pierre-Marie Delfieux. Et ensuite, dans l'Église elle-même, ben, on voulait faire de moi un curé, j'ai pas voulu, etc., etc. Donc, voilà, c'est le désir de liberté est là. D'une certaine Mais donc, ma manière. question était de savoir, en fait, Christophe, quand as-tu finalement quitté ce monde ecclésial? Je ne l'ai pas quitté, en fait, parce que juridiquement parlant, je ne suis pas encore relevé de mes vœux, je le dis dans le livre, même si on me laisse pleine liberté, je suis toujours un peu. Enfin, je ne suis plus dans le système en tant qu'aumônier en hôpital psychiatrique, donc je fais partie d'aucune paroisse, puisque les deux hôpitaux psychiatriques qui sont de la même entité, Ebsan, sont sur deux communes différentes, Strasbourg et Brumath. Je suis un peu un électron libre, mais j'ai une lettre de mission de l'évêque, qui n'est plus évêque de Strasbourg, Monsieur Ravel. Et donc, c'est prolongé tous les 3 ans. Je suis employé par l'hôpital. Je ne suis pas en mauvais terme avec des gens d'église quand il s'agit de réunions des aumôniers ou de ceux qui sont auprès des patients, des malades, des mourants, etc. Mais voilà, c'est D'accord. une certaine. Comme ça, on comprend C'est. effectivement un petit peu. On Oui. comprend, on comprend de fait un petit peu, du coup, quelle est, entre guillemets, ta situation actuelle. Mais alors, ma question, je dirais, qui est la suivante, à savoir, c'est important, évidemment, de participer à un ouvrage ici collectif qui dénonce une emprise, des abus, des déviances. Pourquoi, toi, à titre particulier, Christophe, avoir accepté de participer à ce livre collectif? D'abord, il y a eu un mail de Sabine Teinturier qui a écrit Sois pieuse et tais-toi, qui est paru en octobre 2022, si je ne m'abuse, que j'ai en e-book, et qui demandait elle-même a été contactée par le journaliste et demandait à des anciens des Fraternités de Jérusalem s'ils voulaient y participer. Donc, on répondit oui, il y avait Anne Mardon et moi-même. Anne Mardon était un peu plus hésitante, mais finalement, c'est elle qui a mis la contribution la plus longue. Hein. Après avoir écrit déjà deux autres livres que je t'ai montrés tout à l'heure. Et puis moi-même, ben, je me dis, il faut aussi, ben, depuis, ça fait des années, même avant qu'il y ait comment dire, la révélation de tous ces abus sexuels et aussi abus de pouvoir, abus spirituels dans l'Église, je pensais écrire un livre, mais alors, je n'avais pas tous les éléments, je n'avais pas toutes les clés de lecture. On les a jamais toutes, mais j'avais d'autres clés de lecture en me disant, c'est les méchants intégristes. Mais je ne pensais pas que dans les communautés nouvelles, tu vois, ici j'ai 3 livres de Jean Vanier, hein, voilà, qu'on m'a donné à lire, etc. J'ai même vu Jean Vanier quand il venait à Strasbourg en 97. Je me serais jamais imaginé que de telles personnes ou le père Jacques Marin, quand j'ai fait une retraite aux Béatitudes, étaient des abuseurs. Enfin voilà. Et donc et maintenant j'ai accepté de contribuer parce que je me dis bon, même si je n'arrive pas à tout dire parce que j'ai la documentation, etc. J'en ai trop quoi, j'en ai trop. Mais il faut que je vois, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu d'autres témoins. Il faut vraiment que je me solidarise avec eux. Que voilà, on peut pas laisser passer tous ces abus dans l'Église. Je ne veux pas parler comme d'autres l'ont dit. Hein. Sabine Teinturier l'écrit aussi, et puis bien d'autres. Je n'écris pas que pour moi-même, pour parler de mes malheurs, mais surtout aussi pour que d'autres puissent se libérer
et ne pas tomber dans des pièges. Voilà, c'est aussi un message pour bien d'autres, hein, pour d'autres temps, d'autres lieux, d'autres générations qui viendront, etc. Oui, tout à fait. Mais alors aussi, une question qui est importante précisément par rapport aux personnes qui ont été victimes de l'Église. On sait que ce sont des réalités extrêmement douloureuses à vivre, à traverser. Et parfois, c'est une vie qui est détruite, puisque comme Anne Mardon l'écrit, l'Église de fait peut détruire, même si ça paraît a priori assez inconcevable. Dans ton cas, Christophe, est-ce qu'il était difficile de prendre la parole et en fait, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la prise de parole précisément? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes restent parfois silencieuses? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles osent parler? Quels sont les mécanismes qui d'un côté, sont comme une chape de plomb et de l'autre, à un moment donné, il y a une sorte de bascule où on se dit, mais c'est plus possible de me taire, je dois parler? Alors, je parlais depuis longtemps, un vicaire épiscopal, il y a déjà peut-être presque peut-être une vingtaine d'années, me disait déjà, vous parlez trop, même chez Fraternité de Jérusalem, quand je disais, ah oui, mais il faut pas. Alors, je me dis, oui, c'est vrai, les personnes, elles sont en recherche, elles sont en deuil, elles ont des difficultés, etc., ou elles sont dans la joie, faut pas être un rabat-joie, faut pas être quelqu'un, voilà. Et dans la première communauté, le supérieur nous disait, un bon oiseau ne salit pas son nid. Le père Pierre Médelfieux disait, on ne crache pas dans la soupe. Hein, voilà, il m'a dit ça, quand il voyait que j'allais quitter. Et je me dis, bon, ben, je ne m'imaginais pas, par exemple, Pierre Médelfieux, voilà, je voyais bien que c'était quelqu'un qui essayait de séduire. Je pensais que c'était un baratineur, mais je m'imaginais jamais qu'il y aurait de telles emprises et de tels dégâts. Multiplié, hein, il y a un chapitre sur tout un paragraphe dans la page Wikipédia sur la Fraternité de Jérusalem. Et voilà. Mais je parlais trop et de manière peut-être un peu anarchique. Hein, je veux dire, non pas que je sois, toi, je ne suis pas quelqu'un, du moins extérieurement, en colère, mais voilà. Et après tout, est-ce qu'on m'aurait compris? Et puis, dans la famille, ben, mes parents étaient séparés, ne se parlaient plus, étaient déchirés. Bon, ma maman, elle est catholique, et c'est mon papa plutôt d'origine protestante, mais plutôt agnostique athée, qui a quand même, apparemment, ben, commis les violences et tout ça. Donc, ça aurait été aussi, voilà, prendre le parti d'un parent contre l'autre. Et voilà, quand j'ai quitté bon, enfin, bref, ça, c'est autre chose, mais tu vois, c'est très difficile. Et voilà, donc c'est vrai que petit à petit, moi, je me mettrai aussi à parler et à écrire aussi, parce que tout ça, il faut l'étayer, l'argumenter. J'ai beaucoup de. Et avec l'autorisation de ceux qui m'ont parlé de quelque chose, etc. Et donc, à la fois, je parlais trop et je parlais peut-être pas de manière assez structurée. Et donc, le journaliste Jean-François Laville m'a permis, d'une certaine manière, en faisant ce résumé, en étayant, en relisant, etc. C'est un travail, plusieurs allers-retours d'emails, m'a permis de faire une sorte de résumé en 12 pages. Voilà. C'est ça, parce que et en même temps, quand je t'écoute, évidemment, je me dis que pour oser prendre la parole, il faut aussi quelque part avoir la certitude d'être cru, parce que sinon, c'est renvoyé à sa souffrance, à son silence. Il y a ce qui peut être vécu comme indicible, puisque par définition, la communauté, c'est quand même une sorte de huis clos. Que c'est pas forcément elle qui va soutenir la victime ou la personne en tout cas survivante et donc c'est pas forcément évident de fracturer ce silence. Ça peut être vécu aussi comme une trahison personnelle. J'avais la vocation, je la trahis et la communauté n'est pas là pour dire reprends ta liberté. Elle est plutôt là pour dire tu es effectivement en train de trahir une vocation et donc un appel de Dieu. Donc il peut y avoir aussi ce tiraillement qui fait que on reste avec sa souffrance et on reste avec son silence. Oui, je te parlais de la famille. Effectivement, c'est toujours difficile. Quand j'ai quitté déjà la première communauté, et puis la deuxième, ben, mes parents ne se parlaient plus, ne communiquaient plus, et puis chacun, voilà, et on est tiraillé déjà. Et pareil dans une communauté, il y a des moines actuellement qui sont dans la première communauté, qui sont plus anciens que moi, qui sont entrés au monastère dans les années 70, 1970, et d'autres qui sont rentrés peu après, dans les années 1980, qui savent qu'il y a eu des abus, etc., mais qui restent et qui essayent d'argumenter auprès de l'évêque, etc. Donc, donc c'est des confrères aussi. Et tu vois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et dans la deuxième communauté aussi, je suis sûr que si je parle de seul à seul avec tel ou tel frère ou sœur de Jérusalem, ça peut bien se passer. Donc, Oui, c'est ça. Le problème ne se voilà. situe pas au niveau individuel.
C'est ça. Et donc, les fraternités de Jérusalem, bon, bah, ils ont quand même sur leur page, etc., ils ont fait appel à des historiens de relire le livre de vie, de critiquer, de permettre la critique du père Pierre-Marie Delfieux. Suite, bah, les Dominicains ont fait pareil avec l'affaire des pères Philippe. Hein, Tanguy Cavallin a écrit un pavé que j'ai lu in extenso sur ce sujet. Mais mon premier monastère n'a pas encore fait ce travail. Et je vois que pour eux, ce sera très difficile parce qu'il faudra ressortir les lettres circulaires du père Augustin Marie que j'ai mises en ligne sous forme PDF et images. Mais bon, c'est très difficilement lisible. Mais je pourrais aussi faire ce renvoi. Je crains que ce travail d'historien, de relecture et donc de critique, et là, la critique, elle sera profonde et puis aisée, hein, parce que c'est la manière dont étaient libellées ces lettres et dont étaient prêchés les sermons, c'est vraiment extrême. Et d'ailleurs, pour y revenir à là, même ils se sont même pas convertis, parce que un livre paru en 2014, donc longtemps après que j'ai quitté, hein, j'ai quitté les fraternités, les Flavigny en 94, j'y suis retourné de temps en temps. Mais brièvement. Et donc, après avoir quitté les fraternités de Jérusalem, etc., donc en 2014, il y a quelqu'un, un monsieur qui habite Strasbourg, qui a écrit ce livre, Graines d'intégriste, édition Golias, sur une retraite qu'il a passée dans ce monastère de Flavigny-sur-Oserin. Et donc, c'est tout à fait, voilà, c'est extrémiste. D'ailleurs, il dit en dernière de couverture, Éric Guillemot, hein. On parle souvent de l'intégrisme islamique, rarement de l'intégrisme catholique. Voilà qui est fait, l'expérience de l'auteur est édifiante. Dans le cadre illidique du monastère de Flavigny, lors d'une retraite en août 2007, oui, donc il a écrit un peu après, il a beaucoup appris et beaucoup frémi. Peut-on rester un croyant modéré? Doit-on surveiller ceux qui croient? L'auteur témoigne de sa crainte que notre civilisation ne disparaisse dans le feu atomique qui serait causé par des fanatiques de toute obédience. Le feu couve, les ferments sont présents et se développent de plus en plus. Que faire? L'État laïque et républicain reste le dernier rempart face à la montée extrémiste jusqu'à quand? Voilà. Alors il a son point de vue, sa clé de lecture, mais effectivement, on voit que dans un monde en désarroi, donc on a eu le Brexit, ensuite le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, etc., etc. Les intégrismes remontent parce que les gens sont apeurés, etc. Et donc, comment les définir? C'est difficile. Hein? Je ne vais pas. Je peux sourire à des personnes qui semblent ouvertement musulmanes dans le tram, dans le bus, etc. Elles veulent sûrement bien faire. Hein? Voilà. Mais il y a des clés de lecture auxquelles il faut faire attention. Par exemple, à mon avis. Par exemple, pour moi, l'enfer n'existe pas. Voilà. L'enfer n'existe pas et toutes les religions qui propagent cette croyance, il faut être extrêmement méfiant parce que c'est apeurer les gens, c'est les vulnérabiliser. Hein. On parle d'abus sur personnes vulnérables. Ben, les retraites telles qu'elles étaient prêchées, c'était nous rendre vulnérables, tellement culpabilisés d'être réduits dans le. De nous mettre le nez dans notre péché, soi-disant, pour qu'ensuite, et puis ensuite à Jésus. Voilà. Et donc, toutes ces religions sont dangereuses, même si les gens veulent bien faire, ils veulent bien faire, ils veulent peut-être convertir ou peut-être même faire du bien de manière plus ou moins désintéressée, mais sous-jacent, il y a cette notion de la punition divine, etc. Tout Et à puis, fait. ça, c'est un des aspects. Tu parlais effectivement de ce livre déjà relativement ancien, au titre extrêmement évocateur, Christophe. Il y a un autre livre auquel du coup je pense, c'est évidemment Les Naufragés de l'Esprit, qui était aussi un livre de témoignages avec une série de personnes de différentes communautés, qui en fait décryptait déjà à l'époque de Très manière, je ancien, dirais, oui. qui décryptait de manière très très précise déjà les dérives sectaires de l'Église, les abus de pouvoir, les abus sur les consciences, les violences sexuelles également. Donc je veux dire, quelque part, tout était déjà dit, tout était déjà, j'ai envie de dire pour le coup, en semence. Et puis finalement, on se rend compte que malgré le temps qui passe, pour beaucoup de catholiques qui sont encore dans l'Église, c'est chaque fois une sorte de sidération quand il y a un abus qui pour le coup, surgit et brise la surface lisse de telle ou telle communauté ou mouvement d'Église. Donc
C'est impressionnant. Du coup, ce livre-ci, puisqu'on va en venir à ce livre de 2023, quelque part, il n'annonce rien de neuf, mais il met à nouveau en exergue, peut-être dans un temps qui le permet davantage au niveau de la libération de la parole et de la prise de conscience, il met de nouveau en exergue une série de témoignages qui ne font que relater à nouveau les abus, et des Oui. abus, en fait, que l'on voit et qui sont vécus de manière transversale dans différentes communautés, d'où l'intérêt pour moi de nommer d'abord. Par respect pour chacun qui a effectivement osé prendre la parole, et on sait que c'est pas toujours évident, mais notamment Michèle France Pesneau, qui était une des premières lanceuses d'alerte de la communauté Saint-Jean en tant que victime, je l'ai dit, des frères Philippe. Donc on voit que de fait, c'est ici en l'espèce, c'est Jérusalem, c'est Saint-Jean, c'est la Béatitude, c'est les travailleuses missionnaires. Donc ce sont différentes communautés avec chaque fois des mêmes dérives. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, je dirais, c'est que Jean-François Laville fait un travail de fond. Il met un petit peu, Oui. si je puis dire, ces différents abus dans les différentes communautés en perspective pour essayer justement de mettre en exergue les différentes responsabilités sur le plan individuel, sociétal, de l'institution Église évidemment, mais également de l'État. Alors venons-en, Christophe, Alors, à. encore une minute. Oui, une C'est-à-dire que minute. ce livre, il est de 96, mais je l'ai acheté tout 96. récemment d'occasion, hein. Donc, j'ai comme j'ai plein de livres derrière moi dans d'autres. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté pour voilà à l'occasion de me documenter. Parce que quand je suis arrivé à Strasbourg, c'était en 95. Donc, il y avait une communauté charismatique. Donc, d'ailleurs, même Sabine Thaturet l'évoque aussi. Chez qui j'ai fait une prière de guérison, on voulait proposer une prière de délivrance, parce que c'est les Fraternités de Jérusalem qui m'ont proposé d'aller voir cette communauté charismatique. Et à l'époque, cette communauté charismatique, parce que je me disais, voilà, ce n'est pas des intégristes, ce n'est pas en latin, c'est moins guindé, ça chante, etc. Même si je ne suis jamais arrivé à chanter en langue. Et nous disait, oui, ce livre est paru, oui, effectivement, mais maintenant, on a retenu la leçon, ça ne se produira plus. Tu vois, à l'époque, quand ce livre est sorti, bon, beaucoup de. Il a fait un peu de bruit. Enfin, à l'époque, j'appelais complètement, j'avais encore l'habit de moine et tout ça. Alors maintenant, il disait, oui, on a compris, maintenant, ça ne se produira plus. Tu vois, mais malheureusement, de 96 jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a toute une génération qui est passée. Et puis les récents témoignages d'abusés, hein, donc je parlais de Sabine Thaturier, il y a Anne-Charlotte de Maistre, voilà. J'achète ces livres pour soutenir aussi les auteurs. Qui est victime, eh bien, ça continue, et ça a continué, et puis chaque fois on dit, oui, maintenant ça ne se produira plus, oui, maintenant on fait une relecture, une refonte, voilà, patati patata, donc il faut continuer. Mais non, tu vois, Je c'est ça sais, oui, bien et sûr, moi, c'est un. naïf comme j'étais, je me dis, bah oui, maintenant, bah oui, il y a quelques défauts, mais maintenant on les corrigera, voilà. Oui, parce que c'est compliqué de nouveau pour la personne qui a toujours vécu dans un milieu religieux de prendre conscience malgré les abus. On a toujours l'impression qu'on peut quelque part les minimiser en disant que le travail de refondation, de réforme est fait de façon suffisamment profonde pour que l'abus, je puis dire, originel soit enfin éradiqué. Et le rapport de la SIAS, qui est quand même plus récent que le livre Naufragés de l'esprit, rappelle encore, malheureusement, que les abus sont effectivement systémiques et pointe une série de recommandations pour précisément essayer d'éradiquer à la racine ce qui engendre précisément l'abus. Donc voilà, mais bon, pour en revenir à ce livre collectif et à ta contribution, ces pages 203 et suivantes, j'ai vu, donc cette vingtaine de pages dont de fait tu parlais, j'ai envie de te demander, du coup, Christophe, qu'est-ce que tu as envie de mettre en exergue par rapport à ta propre contribution et peut-être plus largement par la suite par rapport aux contributions des autres? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience éventuellement de tes propres abus et de ceux vécus par les autres? Puisque je sais que quand on donne la parole à telle ou telle personne, ben la personne se libère, mais en même temps elle en libère d'autres. Ça fait écho, ça fait résonance chez soi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de mettre en exergue par rapport à cette contribution qu'est la tienne et par rapport aux autres contributions? Alors, cette ambiguïté, puisque là je n'ai pas subi d'abus sexuels, même si je pense qu'un prêtre était amoureux de moi, mais il me tenait même caressait quand j'étais scout. Voilà. Mais c'est comme une emprise, hein, prendre la main de quelqu'un. Enfin, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi l'emprise. Et ce que je mettrai en exergue, c'est que il y a ce love bombing, je ne l'ai pas subi comme ça en disant, bon, il n'y a pas eu de. Des sœurs l'ont subi, mais c'est qu'il y a toujours cette.
Ce balancement entre humilier quelqu'un ou le réduire, enfin le réduire, le rendre malléable, le rendre vulnérable et donc malléable, et puis ensuite lui proposer quelque chose qu'il valorise, et puis bon, bah, puis survivre, bah, voilà, je suis valorisé. Donc pour moi, c'était bah, tu seras ordonné prêtre, et puis on t'envoie faire des études à Fribourg en Suisse, vous essayerez de briller, me disait le supérieur. Et alors qu'avant, il fallait dire les litanies de l'humilité du cardinal Méry Delval, enfin, toutes sortes. Jésus a tellement choisi la dernière place que personne n'était allé chercher là-bas, Charles de Foucault, etc. Donc, d'être. Et Saint-Ignace, voilà, qui dit qu'il vaut mieux préférer les humiliations aux honneurs, enfin, voilà, et puis aux compliments, d'être le dernier, etc. Bon, toujours choisir la dernière place. Et puis, d'un côté, il faut briller. Et puis, on ne peut pas vivre toujours la dernière place. Hein. Il y a des mystiques qui ont essayé, mais alors, ils sont morts jeunes. Hein. Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, les abbés de la Trinité, et puis même Simone Veil, la philosophe, qui était une extrémiste non baptiste, qui voit très bien certaines choses, hein, bien, bien envoyées, mais ce n'est pas vivable à la longue. Hein, voilà. Et donc, ce truc, et puis pareil dans l'église aussi, ben, moi je pouvais être mis sur un piédestal, on m'a ordonné prêtre alors que je n'avais pas la vocation, etc. Et puis on me dit formidable, vous prêchez bien. Encore tout récemment, et bon, j'étais le précédent archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, me disait que j'étais la coqueluche des jeunes. Encore tout récemment, une dame, une jeune mère de famille impliquée dans le scoutisme, me disait, vous voyez, qui m'a. Voilà. Qui sait que je suis aumônier en hôpital psychiatrique, m'a dit, mais vous pourriez être aumônier scout, etc. Bon, je pourrais être ceci, cela, enfin voilà, tout super curé, vicaire, enfin, je ne sais pas quoi. Mais voilà. Et non, mais ça aurait été faux, ça aurait été faux. Voilà, c'était pas. Et puis finalement, voilà, j'ai trop de doutes. Hein, voilà. C'est. Et non, mais si tu veux, il y a cette. Alors ça, c'est pour les hommes. Alors pour les hommes, bon, ben voilà. Vous pourrez prêcher, vous aurez un fan club, c'est très facile hein, d'avoir un fan club une fois qu'on est ordonné, ou même pas. Et puis pour les sœurs, ben vous êtes aimées, vous êtes la sœur chérie du supérieur ou de la supérieure, etc. Ou autre, hein, même, ben, il y a des choses moins gnangnan, mais plus valorisantes. Mais il y a toujours ce balancement. Alors voilà, on casse quelqu'un, et puis après, voilà, après, ben, on le met dans une place, et puis comme ça, il pourra aussi être quelqu'un de souriant, de serviable, parce que comme il a été un peu domestiqué, il sait fermer sa gueule, et puis il sait s'accommoder des gens. Bon, c'est ce que je fais actuellement aussi, mais voilà, c'est plus pour la même raison. Tu comprends, hein? C'est cette. Voilà. Ouais, tu dis, Christophe, il y a quelque part une sorte d'idéal à suivre au prix du renoncement à soi, avec la tension intérieure que ça doit de fait générer. Mais alors, j'ai envie de te poser la question peut-être de manière plus franche, plus directe, plus concise, à savoir finalement, dans le livre collectif, quels sont concrètement les sévices que l'Église a fait subir à certains de ses membres, qui ont justement voulu peut-être être le plus fidèles à elle, et quels sont du coup aussi les préjudices subis dans la vie de l'intégrité psychique et physique, je dirais, de la personne qui a subi ces sévices. Alors évidemment, tout d'abord, il y a les sévices sexuels. Hein. Donc voilà, Michel-France Peynot et voilà, et puis d'autres. Bon, dans comme il disait Saint-Jean, c'était pas tant. C'était pas le cas chez nous, puisque justement, il fallait quitter le monde de péché qui nous entraînait vers le péché d'impureté. Là, c'était le grand truc, le grand truc dans leur retraite. Hein. De quoi se confesser sinon des péchés d'impureté? Alors une fois que le témoigne, il fallait se confesser toutes les semaines et je savais vraiment pas de quoi me confesser, franchement. Faut Oui, chercher. faut chercher, faut inventer. Puis j'avais peut-être une colère intérieure envers tel frère. Parfois, j'ai manqué au silence parce que j'ai changé deux mots. Voilà. Et voilà, mais on fait vraiment chercher. Et puis même actuellement, voilà. Bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Et alors, il y a les sévices sexuels. Il y a aussi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est ces deux religieuses missionnaires pour lesquels on n'a pas cotisé. Donc ça, c'est aussi le grand souci pour beaucoup. Peut-être pour. Enfin, on verra ce que ce sera pour moi. J'ai 65 ans, mais il faudra quand même faire régler tout ça. Quelle sera notre retraite, hein?
Et alors l'Église, par contre, je reçois des trucs sur l'Église comme quoi il faut prendre soin de nos aînés, enfin, de revues chrétiennes, hein, que ce soit famille chrétienne, la vie, que ce soit aussi les appels de secours catholiques contre la précarité des seniors et tout ça. Mais il faudrait d'abord que l'Église, bien sûr qu'elle le fasse pour tout le monde, mais d'abord pour ceux qui sont passés par des communautés qui sont manifestement abusives. Voilà. Donc déjà, il y a cet aspect-là matériel. Les sévices sexuels, alors après, est-ce qu'on peut les mesurer? Parce que comme disait une autre, Claire Maximova, disait, me l'avait dit, elle avait écrit, enfin voilà, c'est que l'abus sexuel, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a aussi le gâteau, c'est les abus de pouvoir, les abus spirituels. Hein, donc, par exemple, Laurent Lemoine, dans son livre Des abusés, dit que les abus, voilà, les abus spirituels, on ne fait que les deviner car on les connaît sans doute encore moins que les abus liés à la sexualité. Moins visibles, ils n'en restent pas moins ravageurs. Ils peuvent briser des vocations et décourager des élans de générosité les plus authentiques lorsqu'elles atteignent l'équilibre psychique. Voilà, donc maintenant, ce n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer ces choses-là. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Jean-François Laville a quand même vu des cas très divers. C'est cette variété. Au début, il a mis religieuse abusée. Après, il a dit, mais finalement, l'abus n'a pas de genre. Donc, il y a eu le père Lazare et moi-même. Petite parenthèse, il y a les journées de l'AVREF. Hein, c'est l'association En avril, oui. qui aura lieu le 6 et 7 avril à Paris. J'y serai et Jean-François Laville fera la présentation de ce livre. Samedi en fin de matinée, samedi 6 avril, et seront présents donc moi-même, Anne Mardon, le père Lazare, peut-être d'autres. Et voilà. Et puis le soir, ce sera Sophie Ducret qui présentera son livre. Et enfin, voilà. Donc, non, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est cette diversité. Ben, finalement, moi aussi, j'ai vécu dans la pauvreté parce que j'étais aussi cuisinier dans le monastère, etc. Mais c'était pas dans ce cadre, soi-disant. Enfin, bon, c'est dans un cadre monastique, voilà. Le vœu de pauvreté est là, et puis point final. C'est ça. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance, ça peut être le cachet des portes ouvertes aux abus, C'est tout à fait. en commençant par l'abus de conscience et l'abus de pouvoir. Et c'est peut-être ce qui permet aussi, à un moment donné, d'en arriver aux abus sexuels, parce que l'abus sexuel n'arrive pas forcément de but en blanc. C'est très progressif, c'est très sous couvert d'eux. On l'a bien vu dans Saint Jean avec ce concept d'amour-amitié. Et on voit bien comment effectivement, notamment Michel France Pesneau, pour venir à elle, a été mise sous emprise de manière extrêmement subtile et en disant que finalement les abus sexuels, ce n'est pas un abus sexuel, c'est simplement une relation intime entre un prêtre et elle au nom de l'amour que Jésus vouait à Saint Jean. Donc on voit bien que l'on peut de fait quitter, je dirais, le monde du réel et l'habiller de pseudo-spiritualité pour finalement mettre sous emprise et simplement pervertir et la relation à soi et la relation aux autres. Donc c'est intéressant, c'est important, c'est essentiel de remettre évidemment les choses à l'endroit pour qu'à un moment donné, la victime comprenne réellement ce qu'elle a vécu et qu'elle puisse mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'un abus de conscience, un abus de conscience, un abus sexuel, et il ne s'agit pas de fait de spiritualité là-dedans. Tout est à revoir parce que chasteté, quand il veut de chasteté, plusieurs fois aussi bien. Enfin, la sœur Chantal-Marie Sorlin, qui depuis longtemps lutte contre les abus de pouvoir, les comportements sectaires hors église et dans l'église, à l'évêché de Dijon, on me disait la chasteté, en fait, c'est pas que la génitalité, c'est surtout aussi l'emprise qu'on a. Voilà. Quelqu'un peut être extérieurement en parlant très. Voilà. Et exercer une emprise, un pouvoir, hein, le pouvoir corrompt. Et donc, ça, c'est déjà exercer, voilà, aller dans l'intimité de quelqu'un. Et puis, c'est aussi le problème de la confession. Ce sera discuté que confesser. Est-ce que le confesseur doit chercher à savoir ce qui est de l'ordre vraiment de l'intime? J'en ai parlé à d'autres personnes. C'est déjà très délicat. Et surtout quand c'est des supérieurs, maîtres des novices, etc. Donc, confusion du fort interne et du fort externe. Il y a le vœu de pauvreté. Alors, c'est vraiment très bizarre. C'est que. Il y a des communautés qui sont très riches,
très riches immobiliers, tout ça. Et ceux qui travaillent, moi, j'en ai fait des travaux, hein, depuis mon premier jour de ma vie monastique. Hein, j'ai fallu repeindre des choses, poser du placoplâtre, etc. Et dans leur maison, ils prêchaient des retraites aussi, etc. Et j'étais cuisinier, etc. Et il y a une plus-value, hein, enfin, et après, ils les revendent, ils en rachètent d'autres actuellement. Et donc, la communauté, elle s'enrichit d'une certaine manière, elle reçoit des dons parce qu'il y a des riches donateurs, mais et puis le pauvre moine, il travaille. Alors, c'est ce vœu de pauvreté, il n'a pas de sens tant que les communautés sont riches. Et puis je pense que même Érasme de son temps et même Saint François d'Assise étaient déjà choqués par cet état de fait. Et puis l'obéissance, eh bien, dans ce pavé abus sexuels, bon, c'est aussi des abus spirituels édités par les presses universitaires de Strasbourg avec une. Je sais pas, il y a au moins 25 contributions. Il y a Alessandra Pozzo qui souligne bien l'usage des textes inspirés dans les stratégies d'emprise. Elle dit que justement, il y a déjà un glissement par rapport à la Bible, dans la règle de Saint-Benoît qui insiste beaucoup sur l'humilité, l'obéissance, le renoncement à sa volonté propre, etc. Et puis ensuite, ben, ces textes inspirés, la sagesse séculaire a fait que, voilà, même des ordres très très durs, bah les chartreux, etc. Le supérieur des chartreux a quand même mis le doigt sur l'ismace de la Suce, sur les dérives qu'il peut y avoir. Mais alors, ces communautés nouvelles reprennent les textes tels quels, les durcissent en plus, et puis de toute façon, il faut être très circonspect par rapport même déjà à la Bible, hein, et pas des fondamentalistes, et par rapport au texte, la règle de Saint-Benoît, qui a été écrite au tournant des 5e, 6e siècles, etc. Donc voilà. Actuellement, voilà, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Et donc, c'est tout un travail voilà, qu'il s'agit de faire. Hein. Les Fraternités de Jérusalem ont fait appel à des patrologues, spécialistes en patristique, pour relecture et tout ça. Mais bon, pour d'autres communautés, ce n'est pas encore fait, hein. C'est loin d'être fait. Tout à fait. On va dire que c'est en cours, en voie de reconstruction. On parlait, Christophe, des sévices. Ça a évidemment son pendant. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant de préjudice. Tu pourrais en fait, par rapport à l'écho que les autres témoignages ont fait, par rapport à ta propre vie, nous relater finalement de manière concrète en quoi consistent les atteintes à l'intégrité, qu'est-ce que ça a comme effet délétère dans le quotidien et parfois de fait pendant des dizaines d'années. C'est pas quelque chose que l'on oublie, on n'a pas été victime par le passé et puis et quelque part on tourne une page et tout va bien, on reprend sa vie là où elle s'était arrêtée. On parle souvent de survivant, ça veut bien dire effectivement que l'on Oui. survit. Mais donc on survit, mais concrètement, pourquoi parle-t-on de survivance, de survivant? Alors, pour ce qui est de la survivance, bon, très vite, déjà au monastère, enfin, ce qui m'a permis, d'ailleurs, le texte tel quel, c'est ce qui m'a permis de survivre, c'est la course à pied. Premier monastère, il était cloîtré et tout ça, mais j'avais le droit de me défouler, de courir. Et j'ai continué un peu à Jérusalem-Strasbourg, au bord du canal, etc. Et après, j'ai continué à faire de la course à pied, des marathons, etc. Pour moi, voilà, on peut dire que le sport est une addiction, mais que c'est quand même une addiction relativement peu dangereuse comparée à d'autres addictions. Heureusement, je ne suis pas tombé dans d'autres addictions. C'est aussi un moyen de ne pas tomber dans la dépression. Et quand j'étais trop en colère, vraiment parfois mal, j'allais courir. Maintenant, je le fais un peu moins parce que je suis peut-être un peu aussi mieux en moi-même et que je vieillis. Donc, pour moi, c'était la survie. Oui, c'était la survie. Je sais qu'une nuit, j'étais chargé de paroisse. J'étais tellement mal que je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je suis allé plusieurs fois en pleine nuit courir dans la forêt de la Robertsau à Strasbourg, puisque j'habitais dans la cité de Lille qui est tout près de la Robertsau. J'ai pris la voiture, j'ai fait 2 km. Et puis, après, oui, parce que, voilà, pour ne pas traverser la cité comme ça. Mais voilà, donc, mais ça, c'était une manière de. Voilà, parfois aussi mais bon, pour d'autres, ça c'est la survie. Après, c'est vrai que bon, on était survivants, on est des résilients. C'est pas encore fini, hein, voilà. Et Non, enfin, et certains se suicident aussi. c'est ça. Alors bon, ben moi, ma plus grande douleur, c'est de ne pas avoir pu cofonder de famille. Alors bien, je sais que c'est difficile. C'est pas que je cherche. Veuille la facilité, etc. Hein. Mais je sais que c'est difficile de cofonder une famille, d'avoir une épouse, des enfants, etc. C'est pas rose tous les jours. Hein.
Voilà, et puis de ne pas avoir pu accomplir ma vocation première qui était spontanée, mes parents n'étaient pas du tout scientifiques, mais dès la sixième, etc., les mathématiques, les matières scientifiques m'intéressaient beaucoup et continuent de m'intéresser. Peut-être que dans une prochaine vie, hein, une fois à la retraite, je serai plus là-dessus. D'ailleurs aussi peut-être plus sur la métacognition, hein, c'est-à-dire pourquoi on pense ce qu'on pense, quelles sont les influences, etc. Je ne sais pas si tu connais Elisabeth Feittit Oui, et bien sûr. Méta de Méta de choc. choc. Voilà, il faudrait que je lui écrive d'ailleurs. Ça, c'est important parce que ça ne c'est pas que les abus dans l'Église, c'est aussi tout ce qui est, voilà, Oui, questionner son dans monde le... mental, finalement. Questionner son monde mental, le pourquoi on pense Exactement. effectivement ce que l'on pense, c'est capital pour décrypter précisément aussi les abus qu'on a pu subir, qu'on ne comprend pas forcément. C'est de remonter à la source de l'abus, je dirais. Alors oui, on ne peut pas imaginer ce que aurait été la vie sans ça. Hein. Même des anciens camarades scouts d'Europe me disent que c'est moi qui ai impulsé l'esprit à la patrouille quand j'étais chef de patrouille. Pourtant, ils sont hyper, très tradis, etc. J'étais surpris quand j'entendais ça parce que moi, on me disait que dans le monde, si je restais dans le monde, j'irais en enfer. Voilà. Et j'aurais pu être peut-être pas un grand patron, ça ne m'intéressait pas, mais quelqu'un qui manage une équipe, qui dirige, voilà, plutôt... De l'ordre de la recherche, je ne sais pas. Bon, ça, je me dis, c'est des univers parallèles. Hein. Je me console avec ça. Peut-être que j'existe dans un univers parallèle. Mais autrement, il y a pire. Hein. J'en vois Il y qui a font des toujours pire, burn-out. mais l'idée n'est pas de Oui. comparer non plus effectivement le mal subi et les préjudices délétères qui en résultent. Mais tu le dis, j'y reviendrai peut-être de manière plus ample tout à l'heure. Tu en parleras si tu le souhaites, mais tu as écrit il y a peu ce que tu as intitulé ton testament spirituel. Tu écris notamment ceci: je suis persuadé que je suis passé complètement à côté de ce qu'aurait dû être ma vie. Donc c'est quand même effectivement quelque chose d'extrêmement important. Et pour faire le lien précisément avec un autre type de préjudice extrêmement grave qu'ont eu à subir ici en particulier certaines religieuses, mais pas que, c'est que par définition, ces personnes se sentaient appelées à un idéal et donc elles avaient une foi en Dieu absolument incommensurable et une souffrance extrême chez certaines, c'est que précisément leur foi a été complètement détruite par un être humain, par un religieux qui normalement avait une vocation et qui était censé précisément pouvoir guider la personne à ce qu'elle puisse, je dirais, de manière ample, vivre la vocation à laquelle elle se sentait appelée par Dieu lui-même. Donc ça, pour certaines personnes qui ont dû quitter une communauté, qui ont dû quitter un chemin de vie, se rendre compte quelque part qu'elles ont été complètement abusées et que leur foi n'en reste pas indemne et qu'elle se demande finalement avec tous ces morceaux, qu'est-ce que je fais et de moi-même, j'ai envie de dire, et de cette foi en laquelle je pensais être porté vers la vie, c'est un préjudice immense. Alors c'est vrai que les réparations évidemment financières sont extrêmement importantes, mais ces réparations financières ne pourront jamais quelque Oui. part suffire à dédommager les dégâts intérieurs absolument monstrueux qui ont été commis. Alors, effectivement, je me console un peu avec un article de Maurice Bellay, hein, qui n'est pas un livre, mais que j'ai trouvé autre part, qui revient, qui dit qu'il y a une opposition radicale entre la foi et la croyance. Vraiment, dans notre acception commune, dans ce que pensent les gens, foi égale croyance. Alors lui... Il va au-delà des croyances, il dit que la croyance déteste la critique alors que la foi ne peut que la désirer. Qu'est-ce qu'on entend parfois? Je l'avais déjà dit dans le précédent interview, c'est que, voilà, étant au catéchisme, étant enfant, il y avait le petit manuel du parfait petit catéchisé avec un Jésus des années 60, enfin, style un peu, voilà, où c'est écrit « Je suis la vérité ». Et voilà, donc ça, ce qui importe, c'est la vérité. C'est pas le Père Noël, c'est pas des mythes. Hein. Et alors évidemment, on ne sait pas. Enfin, on apprend. Donc il faut être d'une certaine manière un chercheur. Et un chercheur, si on veut être un chercheur de Dieu, bah, c'est comme un chercheur. Un chercheur ne s'est jamais acquis ce qu'il a trouvé. La science n'est pas objet de croyance. Voilà. Et donc Maurice Bellay, c'est la phrase qui me consolait un petit peu. Disons, peut-être que j'ai encore la foi, ce qui m'anime, comme je dis dans le livre aussi, c'est de vivre l'évangile
dans mes relations, ce qu'il y a de mieux, enfin, ce que me dit l'Évangile, ce qu'il m'inspire, voilà, c'est ce que j'écris grosso modo dans le livre, d'être au contact égal à égal avec des personnes en bonne santé ou malades, croyantes ou non croyantes, etc., ou autrement croyantes, voilà. Et c'est d'ailleurs tel qu'apparaît Jésus dans les évangiles, même si peu importe l'historicité, mais voilà, ce qui est important, c'est pas, c'est Jésus avec la Samaritaine, Jésus avec Zachée, Jésus avec le publicain, Jésus avec Nicodème, etc. Et par contre, quand il s'agit d'un groupe, bah, il dit en Matthieu, cette fois de suite, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc, Maurice Bollet dit que voilà, c'est une critique de la religion aussi. Alors il va assez loin tout en restant un prêtre catholique qui est décédé donc il y a quelques années, très âgé. Et donc il y a des livres qui me consolaient comme ça que j'avais acheté quand il est sorti, ce truc-là, La traversée de l'en bas, longtemps avant que je sois aumônier en hôpital psychiatrique, où il dit que, dernière de couverture, hein, la dépression, la trahison, l'inavouable. La vie broyée, la déchéance, la folie, le meurtre, l'exclusion, la maladie, voilà l'en bas. En chacun de nous, des portes dérobées donnent plus ou moins sur ses arrière-cours. Vivre se fait dans la traversée de ces abîmes où se défont beaux discours et belle spiritualité. Alors, il dit que dans ces bas-fonds, on peut recommencer une nouvelle vie. Désormais, le seul Dieu que nous pouvons supporter n'est pas celui des hauteurs, mais celui qui descend dans l'en bas. C'est de là que doit venir ce qui met fin à l'inhumain où nous sommes. Voilà, une parole, un geste, une lueur. Voilà un livre décapant pour tenir dans les jours sombres, loin des marchands de bonheur. Donc, je n'ai pas tout lu, hein, mais voilà, simplement, c'est. Bon, lui-même est passé par la maladie, et je pense aussi des déceptions, etc. Oui, c'est ce qui décape quelque part aussi. Mais faut le supporter, c'est pas toujours supportable. Et quand on te fait du love bombing en disant tu es ma bien-aimée ou vous serez un type super, hein, voilà, c'est ces prêtres qui font des dépressions, qui sombrent dans les addictions ou voilà, ou pire, j'en ai connu un là, qui s'est donné la mort, hein, était voilà et voilà, on supporte, on le Peut-être, supporte. peut-être, Christophe, que la meilleure façon, quelque part, de ne pas se faire illusion, c'est de revenir à son humanité, précisément, c'est-à-dire ce qui nous constitue charnellement, réellement, et qui fait sens, parce que quelque part, c'est, entre guillemets, un discours audible par chacun, quelle que soit précisément, le cas échéant, ses croyances, et ses croyances religieuses en particulier. Parce que là, quelque part, face à la maladie, face à l'échec, face à l'épreuve, on peut plus quelque part se raccrocher à des croyances, à ce qui pouvait faire sens quand quelque part tout allait bien ou quand quelque part on avait le sentiment que se raccrocher à une croyance suffirait pour sortir la tête hors de l'eau. À un moment donné, on se rend compte que l'effondrement Oui. y est là et que, entre guillemets, la prière, même la plus fervente, même la plus sincère, ne va pas suffire à résoudre nos problèmes. Oui, alors parlons de la prière, enfin, si tu permets, c'est que on m'avait, bon, Saint Alphonse Liguori, le grand moyen de la prière, Monseigneur Vincent Jeandy, qui j'avais parlé avant qu'il soit évêque, hein, qui m'avait très bien dit que j'avais jamais pris une décision personnelle dans ma vie. Hein. Il est assez clairvoyant. Il a écrit un livre, L'art de la prière. J'ai suivi des cours sur la spiritualité par Servet Pinkers, dominicain à Fribourg, sur la prière d'après saint Thomas d'Aquin. Et j'ai prié de manière fervente, tout l'office, etc., un rosaire par jour, ou du moins un chapelet, enfin voilà, etc., et de manière fervente. Et puis il fallait prier pour qu'il y ait des saints prêtres, beaucoup de saints prêtres, etc. Et voilà ce que ça a donné. Et puis ceux qui parlent de la prière, finalement, souvent, c'est une échappatoire. On va dire un Ave. Ah, je vous salue, Marie. On va dire un Ave Maria quand je discutais avec l'ex-père abbé de mon monastère. Je lui dis, ne fuyez pas. Voilà, pour beaucoup, la prière, c'est une fuite. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de la prière? J'en doute. Hein, parce que je prie, enfin, à la demande de patients, je prie beaucoup. Et ça touche l'âme. Hein, la pathologie en psychiatrique, ce n'est pas simplement des bobos corporels, le plus ou moins grand, mais c'est vraiment la personnalité qui est touchée dans une maladie psychiatrique. Voilà, et donc voilà, il y aura beaucoup de choses à dire sur la prière. Et puis Jésus a dit ne priez pas comme ça en vous montrant prier. Maintenant, tout le monde fait ça. Il y a même
Maintenant, on fait même la télé-réalité de vie monastique, tu vois. Alors que c'est tout le contraire de l'enseignement de Jésus. Si tu veux te prier, retire-toi dans ta chambre. Et Simone Veil, dans ce livre, hein, Attente de Dieu, qu'elle a écrit peu avant de sa mort, j'ai préparé trois piles de bouquins. Et encore, c'est pas tout, hein. Non, mais on va se limiter, on va se limiter. Non, mais elle dit à un moment que Jésus a dit, bon, elle prend l'évangile, elle est. Si vous voulez, c'est à la fois une extrémiste, mais comme elle est aussi très cohérente, elle essaye d'être cohérente avec elle-même, donc elle est restée en dehors du catholicisme, parce qu'elle est, voilà, et bon. Et elle dit, Jésus a dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et alors on dit, ouais, quand plusieurs sont là, Jésus est là, très bien. Elle dit, c'est pas du tout ça. Et bon, elle interprète à sa manière, mais il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que là, on est à deux ou trois, comme je dis, face à face, d'égal à égal, avec quelqu'un, la vérité peut se faire. Voilà. Mais quand c'est tout un groupe, etc., ben on essaie de tenir compte des autres. Il y a plus ou moins celui qui sait bien parler et celui qui est trop timide, celui qui, etc. Donc il y a ben, très, très vite des sortes de pouvoirs qui s'y mêlent. Je pense que voilà. Et donc, Oui, c'est ça, voilà. il y a le sachant et celui qui va de fait subir ce que l'autre est censé savoir. On l'a très bien vu aussi dans le renouveau charismatique, justement par rapport à la prière dite dans l'esprit avec tous les charismes, etc. On peut aussi évidemment facilement tomber dans l'abus de pouvoir, dans l'emprise. Donc tout ça est très dangereux, sans parler d'ailleurs des thérapies de conversion qui ont aussi eu leur année de gloire, entre guillemets, et un usage intensif dans certaines communautés avant de se rendre compte que de nouveau, si on ne revient pas au terre-à-terre, au psychologique, on est en train de détruire une personne sous prétexte que pour se conformer à l'évangile, il faudrait vivre d'une certaine façon. Oui, Très dangereux, ben, hein. oui. Bon, Anne Mardon a vécu ça avec. Ben, d'ailleurs, même le père Pierre Médelfieux, puisqu'Anne Mardon dit qu'il lui a fait des onctions d'huile, libéré des chakras, etc. Ben, Pierre Médelfieux, moi, je ne me sentais pas bien. Alors, il dit, on va faire une. Alors, il m'a fait l'onction d'huile, enfin, la prière, l'onction des malades, dans une petite chapelle de l'église Saint-Gervais à Paris. Et puis, une fois arrivé à Strasbourg, je ne me sentais pas bien non plus. Et donc, il y avait une communauté charismatique, bon, c'était complémentaire parce que nous étions monastiques, ils étaient charismatiques, ils aimaient venir à nos offices. Et puis, moi, le supérieur de la communauté de Strasbourg, m'a envoyé chez le supérieur, enfin, fondateur de la communauté charismatique en question pour une prière de guérison. Mais je ne ressentais rien. Le problème, c'est qu'ils disent tous ressentir quelque chose. Et après, ben, ce n'est pas suffisant, il faudrait une prière de délivrance. Alors là, j'ai dit non, parce que délivrance, voilà, j'ai prié X fois par jour notre Père, chaque office de l'office bénédictin plus le rosaire, etc. Délivre-nous du mal. Et je vois pas en quoi l'esprit du mal pourrait être venu au moins. Il y avait de l'eau bénite partout, à l'entrée de la chapelle, entrée de la cellule, etc. Puis après, il me faut une prière de délivrance. Non, mais ça va. Voilà. Et puis, j'en connais d'autres à qui on a fait des prières voilà, qui sont complètement abîmées. Hein. Enfin, ça, tu le sais. Hein, voilà. Il y en a Oui, aussi que tu as interviewé récemment. oui. Voilà. Et donc, heureusement, je ne suis pas allé plus loin, mais quelqu'un de. Voilà. Toutes ces histoires de... Et puis ça continue quand je vois les petits billets pieux qu'on trouve ici et là. Voilà. Oui, C'est tout à fait. pathétique. Mais oui, c'est pathétique et malheureusement c'est sans fin, donc c'est à chacun de prendre conscience qu'à un moment donné, il ne faut pas forcément faire confiance à tout ce qui gravite autour de soi. Il faut d'abord savoir quelque part qui l'on est et où commence l'abus, où commence l'emprise, et du coup être suffisamment ferme, c'est-à-dire finalement se faire confiance et écouter sa propre voix intérieure avant d'écouter les voix qui viennent du dehors. Je crois que c'est peut-être un enseignement à tenir comme étant un point ferme, un fil conducteur, je dirais, dans sa propre vie, si on ne veut pas de fait dériver. Mais le problème, c'est que souvent, on a à un moment donné dans sa vie, parfois très tôt, des défaillances, des failles, et du coup aussi un idéal intense, important, et il suffit de rencontrer à ce moment-là sur son chemin une personne qui semble souriante, qui semble charismatique, et qui de fait à ce moment-là peut plus facilement qu'une autre te mettre sous emprise sans respecter ta propre liberté intérieure. Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un charismatique que je trouve aussi charismatique qui me touchait dans son chemin de foi, qui était Jean Vanier. C'était impensable en réalité de se rendre compte Oui. que ces hommes-là effectivement avaient abusé de femmes, les avaient mis sous emprise, on se comprit sexuellement. Donc tu te dis à un moment donné, faire confiance
à autre que soi, c'est de nouveau extrêmement dangereux, quand bien même cette personne semble au-dessus de tout soupçon, quoi, et semble précisément avoir la foi, et que la foi semble être sa cheville ouvrière, son moteur, sa colonne vertébrale. De nouveau, se fier à la colonne vertébrale de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dangereux quand on n'a pas la sienne suffisamment ferme. Ben, je pense que beaucoup de ces personnes pensaient franchement avoir la foi. Et simplement, c'est des personnalités clivées, hein. Donc, je pense qu'il y a des... Voilà, Oui, je clivé, commence à voir un peu... mais qui le cachait super bien, quoi. C'est ça qui Ben m'a oui. effaré aussi, je veux dire, qui écrivait extrêmement bien, d'un extrêmement sensible, fine, qui pouvait de fait toucher, quoi. Alors on se dit, mais comment est-ce qu'un pervers, j'ai envie de dire, de cet ordre-là, peut à la limite écrire aussi bien? Oui. Mais bon, écrit, voilà, c'est ça. Mais on a tous, enfin, je ne sais pas, on a tous, parce qu'on est des animaux, donc qui sont, malgré tout, malgré nos réflexions, on est quand même portés, non pas nécessairement à la domination, mais à trouver notre place, et puis, voilà, notre territoire, et puis à chercher à nous reproduire. Bon, c'est raté ce qui me concerne, mais donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir des fantasmes. Voilà comment. Comment mettre telle ou telle personne sous emprise et en profiter, voilà. Bien sûr. C'est voilà. Non, Alors pour d'autres, il y a toujours de et fait un risque, bien sûr. Il faut être voilà, c'est prudent. ça. Il faut être Et vigilant avec soi-même d'abord. ouais, exactement, voilà, c'est ça. Parce qu'on peut se faire tout un. Voilà. Bon, généralement c'est un cinéma intérieur. Oui, c'est ça. Tout à Mais alors, fait. chez certains prennent leur cinéma intérieur au sérieux, élaborent des plans bien rationnels, bien très fins, et arrivent à mettre des personnes sous emprise. Oui, Bah, c'est ce qu'on Jean appelle. Vanier, tu vois, voilà. Ce sont des gourous, quoi, finalement. Voilà, les bouquins de Jean Vanier que j'ai depuis longtemps, Hommes et femmes et les filles, c'est très gentil. Et puis on m'a conseillé celui-là, cette communauté charismatique m'a dit à la communauté, lieu du pardon et de la fête, parce que chez moi c'était hyper, voilà, c'est à moitié intégriste, donc il n'y avait pas la fête. Hein. Donc là, ça faisait plus cool, tu vois. Et Ouais. puis, oui, mais j'ai pas vécu la fête. Et puis le pardon, voilà aussi, de quoi. Et puis alors Jean Vanier, quand il est venu à Strasbourg en 97, je lui avais posé la question. Ah oui, je lui avais posé la question. Il était venu prendre un café dans notre communauté des fraternités de Jérusalem. Après avoir il avait une vie de, il a fait une conférence à la cathédrale de Strasbourg, beaucoup de monde, bien sûr. Eh bien, il dit, page 123 de ce livre, 1, 2, 3, c'est facile à retrouver. C'est dans la troisième étape de ma vie, après mon enfance, à l'âge de 36 ans, que je suis devenu responsable de personnes dans l'arche, que je suis entré réellement dans l'âge adulte. Alors moi, à l'époque, à 97, j'avais 38 ans et demi. Et je lui dis, ben oui, Monsieur Vadier, mais ben, vous dites que c'est à l'âge de 36 ans que vous êtes vraiment devenu adulte, mais généralement, à l'âge de 36 ans, ben, on a pris, nous a fait prendre des décisions. Et puis même, voilà, généralement, même si c'est plus tard actuellement, mais généralement, on fonde une famille, on a des enfants avant l'âge de 36 ans, quoi. Et alors, mais on n'est pas vraiment devenu adulte. Et puis voilà. Et puis comment il s'appelle l'autre? Anna Trella disait qu'on est post-adolescent jusqu'à l'âge de 28 ou 30 ans, etc. Ben, comment faire? Alors dans ce cas, est-ce que les décisions qu'on prend sont valides? Oui, ben, on voit bien aussi quelque part qu'on peut se Et mentir puis toute une alors, vie, hein. voilà. Mais alors, tu vois, je lui demandais même conseil, tout comme j'ai demandé conseil au père Jacques Marin quand j'ai fait une retraite chez Béatitude. Voilà. Bon, ce n'est pas allé très loin, mais voilà, c'est des personnes qui étaient, voilà, considérées comme des personnes de bon conseil, des personnes d'expérience. Oui, c'est ça, qui ont par définition autorité. Comme les parents, quelque part, ont autorité sur leur enfant, et si l'autorité est saine, il n'y a aucun problème, l'enfant va se développer vers une maturation toujours plus grande pour justement voler ses propres ailes. Et quand malheureusement l'autorité est une autorité sous forme d'emprise, la personne, fût-elle adulte, ne va pas pouvoir s'autonomiser, gérer ses propres conflits intérieurs de manière, je dirais, humaine, correcte, adaptée. Elle va de fait se fier à l'autorité de quelqu'un d'autre qui a quelque part. Un mode d'emploi, et finalement, ça peut simplement devenir un pansement sur une plaie béante. Et à un moment donné, cette plaie pullule tellement qu'à un moment donné, la personne, entre guillemets, disjoncte, quoi. Et dans le pire des cas, je disais tout à l'heure, il y en a quand même, ça existe, des personnes qui, de fait, étant totalement isolées, incomprises, Oui. finissent par se suicider comme étant
la dernière solution, quoi, l'alternative entre guillemets ultime. Mais alors précisément, pour revenir un petit peu quand même au livre, il y a un aspect extrêmement important, central même dans le livre, et Jean-François Lavigne en parle extrêmement bien, c'est de pointer les responsabilités. Il y a des responsabilités, j'ai envie de dire, à tous les étages. Oui. Quelles sont les responsabilités que toi tu pourrais mettre en exergue précisément par rapport à ces situations d'emprise et les préjudices subis? Ben, les responsabilités sont déjà chez les supérieurs, hein, chez les supérieurs qui souvent sont des hommes seuls. Hein. D'une certaine manière, le fondateur de à Maurice Joly, de son nom de civil, le père Augustin Marie, c'était quelqu'un, et ça, des moines actuellement dans le monastère le reconnaissent, qui a fondé son truc tout seul, quand il a cofondé un truc avec le père Bariel, qui était devenu le confesseur du séminaire d'Écône, et puis après ils se sont quittés, enfin il a quitté son premier monastère, il voulait faire son truc, voilà, parce que c'était un homme, vu son passé très difficile, une enfance très difficile, un homme très volontaire, un capitaine de gendarmerie à la retraite, voilà, et puis, je pense que le père Pierre-Marie Delphieux aussi, il est parti comme ermite, comme ça, il avait déjà une idée en tête, je pense. Et puis, déjà là, il y a un petit hic, hein, ces fondateurs. Bon. Est-ce qu'ils sont responsables? Mais surtout, c'est l'Église qui devrait un peu plus s'interroger sur le passé de ces fondateurs, une fois qu'ils approuvent leur communauté. Alors, je sais que le cardinal Lustiger était beaucoup hésité avant d'approuver Jérusalem. Et puis après, là, un suivi. Moi, je pense que l'évêché de Strasbourg a dû faire attention quand je suis arrivé avec eux, avec les fratrines de Jérusalem, mais en fait, je ne faisais jamais pas partie de leur communauté. Alors pourquoi ils ont voulu que. Enfin, le salaire concordataire, je le recevais pour qu'il soit reversé entièrement à la communauté. La responsabilité aussi, ben, que fait l'Église de ceux qui travaillent? Qu'est-ce qu'elle fait l'Église de leur argent, de son argent, de l'argent qui est versé aux communautés, etc. Donc ça, c'est l'aspect, voilà, la responsabilité. Et puis moi, j'étais très naïf, et puis il fallait faire vœu de pauvreté, ne pas penser à l'argent. C'était quelque chose, malheureusement, dont je suis obligé de tenir compte ces derniers temps quand même. Voilà, donc. Les responsabilités. Moi, je crois que je dis dans le livre, c'est un millefeuille. Hein, et donc, tout le monde, les responsabilités, justement, elles sont, théoriquement, elles sont définies, mais voilà. Je crois que je dis dans le livre, hein, que c'est une sorte de millefeuille ecclésiastique. Hein, Et donc, du moins pour moi, hein, j'ai pas comme ça sous une emprise, j'ai quitté, puis après j'ai complètement, voilà. Et donc chacun. Ah oui, mais à l'époque, le vicaire général, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Strasbourg, c'était encore Monsieur Brandt. Ensuite, il y a Monsieur. Enfin, à chaque fois, bon, il y a eu différents évêques. J'ai dit des évêques ont changé, etc. Puis après, chaque fois, on apprend que le précédent, ben, il a commis des choses pas très catholiques, etc. Bon, et puis. C'est sans fin. Et c'est sans C'est fin, sans ouais, fin. parce que l'institution, ben, oui, voilà, c'est ça. Au moins dans une république, si tu veux, quand quelqu'un était lésé, enfin, j'espère, même si dans une institution, même si un patron a changé dans une entreprise, si quelqu'un était lésé par l'entreprise, même si le patron a changé, l'entreprise devrait le rembourser. Voilà. Mais C'est pour ça que alors, l'Église est un peu aussi, tu sais, elle attend de temporiser. Et puis pour certains, on se demande même, tu vois, certains se posent la question, est-ce qu'ils n'attendent même pas aussi qu'il y ait prescription? Voilà, comme ça, on n'en parlera plus. Oui, Voilà. selon le mot célèbre, Fécond de Barbarin. Et voilà. Oui, mais un autre, en parlant de responsabilité, Christophe, une responsabilité peut-être aussi, c'est la carence de l'État au nom de la séparation entre l'Église et l'État. Dans quelle mesure est-ce que l'État, quelque part, est déficient, se rendant compte, comme n'importe qui, quelque part, qu'il y a des dérives dans l'Église? Qu'il y a des abus de pouvoir, qu'il y a des abus d'ordre sexuel, que l'Église elle-même tente d'étouffer, de régler les choses en interne, de ne pas effectivement dénoncer à la justice. Dans quelle mesure l'Église, l'État lui-même, quelque part, n'est pas responsable? Je crois que c'est aussi une des responsabilités qui est pointée dans le livre à voix multiple. Alors, en théorie,
théorie, enfin, les textes sont là, je ne les connais peut-être pas, enfin, faudrait que j'ai des textes hein, dans mon bureau sur la laïcité, etc., même si enfin, on en reviendra. Par exemple, pour ce qui est des aumôniers, l'État, même depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, il y a quand même trois lieux où les personnes, les citoyens ne peuvent pas vivre leur culte ou leur religion comme il faudrait, puisque l'État est aussi là pour protéger, enfin pas pour protéger, mais pour perdre les cultes tant que ça ne nuit pas à l'ordre public. Alors donc il y a les aumôniers dans les trois lieux, c'est les hôpitaux, les établissements de santé, hôpitaux psychiatriques en l'occurrence pour moi, l'armée et puis les prisons. Donc, et donc, comme je te disais, la direction de l'hôpital, ils sont agnostiques ou incroyants pour la plupart. Et bon, savent que l'aumônier, moi-même, et puis ma collègue protestante avec laquelle je travaille très bien, je m'entends très bien, on essaye de faire du bien, enfin, de faire du bien, d'être à l'écoute des patients. On n'est pas des professionnels de santé. Voilà, ça c'est un volet, mais pour en venir à l'État, encore faut-il que les lois soient appliquées. Voilà, le père Pierre Médailfieux était ami avec Jacques Chirac, il était le confesseur, je pense, ou du moins le confident de Bernadette Chirac. Donc même s'il n'y avait pas, ça c'est d'ordre privé, mais ça fait qu'il avait quand même des facilités pour obtenir telle et telle église, obtenir tel et tel HLM. Je ne connais pas les détails, etc. Quand je voulais quitter, que je disais que je voulais, voilà, il m'avait proposé d'être pseudo-ermite, enfin, quelque part dans le Massif central, grâce aux relations qu'il avait avec les époux Chirac. Bon, c'est pas l'État, si tu veux, mais il y a quand même quelque Oui, c'est chose qui est un ça. peu emmêlé. Il peut y avoir des accointances individuelles, évidemment. Mais c'est parce que Oui, ma question, évidemment, me fait penser aussi, Christophe, à la situation qui était pointée dans le rapport de la CIVIS, par rapport évidemment à l'inceste aussi, et la façon dont l'État prend ou non en main cette problématique systémique récurrente et qui est évidemment extrêmement dommageable pour l'enfance et pour les adultes que ces enfants deviendront. Alors c'est très difficile pour l'État parce que finalement, voilà, par exemple, ce qui est de l'ordre, je parlais de l'enfer, à mon avis, l'enfer, bon ben maintenant, voilà, et tout ce qui est annexe, hein, il faudrait pas en parler, on peut éventuellement voir ça comme une possibilité, et encore, voilà, même le précédent archevêque de Strasbourg, quand je lui ai parlé, il m'a dit, peut-être qu'il y a un enfer, mais enfin, il y a un enfer, mais il y a peut-être personne dedans, et puis s'il n'y avait pas d'enfer, il n'y aurait pas de Oui, ça liberté, je sais pas, d'accord. enfin, Ça, bref, c'est la voilà, religion, mais ça, mais au voilà. niveau de Mais non, l'État. d'accord, mais c'est quand même une entrée pour une emprise, pour une manipulation, pour une fragilisation, parce que certains hommes d'Église le soulignent, Maurice Boller, enfin, ou d'autres, hein, disent que même cette éventualité, ça peut être aussi déjà quelque chose de traumatisant. Et je pense que ça m'a traumatisé étant enfant déjà, et d'où toute cette structure psychologique qui Oui, s'ensuit. on est tout à fait d'accord par Et rapport à ça. donc, oui, mais si tu dis maintenant les religions qui parlent de l'enfer ou de punition divine, etc. Il faudra les mettre au pas, ne plus autoriser à en parler. Alors voilà, en France, Oui, c'est pas un secret. c'est très Il y a délicat. une sorte de clientélisme électoral. Alors certains partis de droite ou pas mal à droite, ils essayent de draguer les catholiques. À gauche, on essaie de pas. Voilà, c'est très ambigu. Ils se disent laïcs, mais alors il faut autoriser. Enfin, faut. Ils ont leur voix dans des. Plutôt, là où il y a une forte population musulmane. Alors, si maintenant on dit aux catholiques, aux protestants, aux évangéliques et aux musulmans, maintenant, vous pouvez pratiquer votre religion, mais ne parlez plus de l'enfer. Oui, c'est très compliqué, je Voilà. comprends bien. Et ne Dis-moi. parlez plus d'Adam et Ève, ne croyez plus qu'Adam et Ève sont des personnes historiques, ça n'a aucun sens, quoi. Et Noé, etc. Et Abraham, bon, Abraham, on peut discuter, mais l'historicité d'Abraham et de Moïse est quand même fortement mis en doute, hein. Je veux dire, si on lit un peu les chercheurs Oui, sérieux, les vrais bah chercheurs, mais oui, oui, mais. mais au moins, toi, tout ce qui est créationnisme, punition, enfin. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est tout un décryptage, une déconstruction. Et parce que quelque part, Alors, évidemment, les choses sont claires en termes de concept, pense-t-on. On distingue la religion, les religions telles que l'islam,
le christianisme et le judaïsme, on les distingue évidemment des sectes. Et puis finalement, on dit quand même que dans les religions officielles, il peut y avoir néanmoins des dérives sectaires. Donc voilà, les choses bougent, mais c'est effectivement très très délicat. Et on voit bien qu'il y a aussi une façon d'aborder les choses sur le plan législatif. On parle quand même maintenant, depuis un certain temps, en tout cas en France, il y a une incrimination spéciale pour l'abus de faiblesse. On voit Oui. qu'actuellement en France, il y a la volonté de mieux cerner ce que c'est que l'emprise et de pouvoir effectivement réprimer pénalement l'emprise et forcément du coup pouvoir réparer civilement les conséquences de l'emprise. Donc on voit que ce sont des concepts qui font leur chemin et qui rentrent, je dirais, dans les esprits, en ce compris par rapport à des dérives au sein des religions officielles. Donc ça c'est important, mais c'est vrai que les prises de conscience sont extrêmement lentes. Voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait, et plusieurs l'ont souligné, donc par exemple Anne Mardon a écrit ses deux livres suite à MeToo, hein, donc après ça a aussi interpellé, et puis d'autres cas, l'Église catholique a quand même été interpellée et a donc contribué à former la CIAZ, hein, ou le CIAZ, enfin, avec Jean-Marc Sauvé, etc., ce qui est une bonne chose, c'est indépendant, etc. Bon, après, savoir comment, quels en sont les fruits, c'est encore très difficile. Mais bon, au moins, l'Église a eu, du moins partiellement, ce courage. Et c'est pas vouloir détruire l'Église, au contraire, maintenant, petit à petit, même dans le milieu du sport, certains se sont dit, eh ben, dans le milieu du sport, il faudrait quand même prendre exemple, si j'ose dire, sur l'Église et puis d'autres religions aussi. Il faudra que chacun balaye devant sa porte. Voilà. Donc, comme tu dis, alors, bon, bien sûr, certains n'accepteront pas qu'on remette en doute l'existence de l'enfer ou l'existence, enfin, Adam et Ève et tous leurs péchés originels, etc., machin truc. Enfin, voilà, et tout ce qui est créationniste, mais finalement, il faudra quand même venir là. Mais évidemment, c'est facile. YouTube est plein d'apologètes qui disent combien leur religion, leur croyance est la bonne, même des croyances non monothéistes. Hein, je sais pas, il y en a. Oui, Ça, bien sûr. il y a des gens qui croient au diable et tout ça sans croire en Dieu. Hein, Bien on sûr, contre. Hein. on se compris les dominicains sur YouTube qui font la promotion effectivement d'une doctrine extrêmement conservatrice et qui parviennent encore à attirer les masses quand on voit le nombre de vues et quand on voit effectivement les jeunes filles qui se retrouvent à être interrogées sur leur vie la plus intime, est-ce qu'elles sont censées effectivement vivre pour se conformer à la doctrine catholique. Donc, on voit bien que c'est compliqué. Donc, pour moi, l'idée de fait n'est pas entre guillemets, chacun est libre. Donc, il ne s'agit pas de détruire l'Église, mais il s'agit quand même de voir que l'Église, elle détruit. Donc, il faut quand même remettre les choses aussi à l'endroit. Donc, quand on voit que l'Église détruit et qu'il y a des vies effectivement détruites, pour moi, c'est évidemment central. J'ai envie de dire, le reste, je m'en fous. Moi, ce qui me fait la plus grande peine, évidemment, c'est de voir que les abus sont possibles, que les abus perdurent avec toute une série de complicités de bas en haut et de haut en bas pour dire des choses comme ça. Et pour en revenir de nouveau au livre, on voit que par rapport de fait aux abus, bien, Sœur Camille, qui souhaite rester, je dirais, dans l'anonymat, il ne reste quand même pas moins qu'elle décide de quitter sa communauté. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience. Donc qu'est-ce qui reste en fait de ceux qui ont été croyants, qu'est-ce qu'il leur reste, je dirais, comme rapport par rapport à l'Église? Tu peux nous en toucher peut-être un mot, c'est important quand même par rapport à ces communautés qui ont détruit. Quel est encore le rapport que ces croyants gardent ou ne gardent pas avec cette Église, la communauté ou le mouvement d'Église auquel elles ont appartenu? Alors, de toute façon, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que pour la plupart des victimes, sauf peut-être Anne Mardon, qui se demande même si elle était vraiment croyante, qui a été baptisée à la hâte par Thomas Philippe, la plupart ont quand même une structure, la structure de la personnalité a été imprégnée de ça. Mais évidemment, il ne s'agit pas de rester dans l'infantilisme, on ne croit pas au Père Noël, voilà, on ne croit plus, ben ça c'est normal. On ne croit plus à des fables, simplement, c'est tellement bien structuré, chaque religion, etc., elle s'adapte, elles savent s'adapter. Et puis, bien sûr, surtout ceux qui font de la propagande, l'apologétique, ben on a comme cette structure. Je ne peux pas dire maintenant, je tourne la page, je suis une autre personne, etc. Voilà, et donc, j'essaie de. Voilà. Et donc, ce lien, il est dans le passé. Donc, comme dit, je ne vais pas me faire débaptiser.
enfin du moins, c'est pas parce que ça ne change à rien. Par contre, tu vois, par exemple, pour moi, mon rapport, ben, il est tout en étant respectueux, t'es mandaté par l'Église pour être aumônier, missionné par l'Église, lettre officielle, des formations et tout ça. Je ne veux pas être enterré, je ne veux pas d'office religieux ou d'enterrement religieux ou d'obsèques religieuses, enterrement hein, ou crémation, j'en sais rien, parce que j'étais pris corps et âme, enfin j'étais voilà, vraiment mon corps, hein, parce que Saint Benoît dit que notre corps ne nous appartient plus. L'Église m'a capté comme ça, m'a empêché. Non, ouais, moi, c'est pas. J'ai réussi de survivre en me défoulant, en courant, par exemple. Mais voilà. Et donc, je refuse que. Parce qu'après, on va encore dire des belles paroles, de l'encens, des lumières. Enfin, ça, finalement, oui, on demande pardon pour ce qu'il y en a plus. À la rigueur, on dit, ah, c'était un type bien, etc. Non, je ne veux pas ces discours. Donc, voilà, de ce point de vue-là. Alors, c'est un peu. Tu vois, je suis vraiment sur le seuil. Hein. Et puis, au moment de ma mort, je ne veux pas. Voilà, c'est Jésus n'a jamais dit. Le jugement dernier, c'est pas est-ce que vous avez été homosexuel ou pas, est-ce que vous avez été marié ou pas, est-ce que vous avez eu des enfants ou pas. Non, lisons à nouveau Matthieu 25, voilà. Et encore, bon, il ne faut pas le prendre à lettre, hein, le feu éternel, j'y crois pas, mais bon, c'est l'enseignement. Oui, parce Et que si on commence à lire, le problème, c'est qu'il faut tout lire et, si on veut, et pas simplement prendre, entre guillemets, oui. ce qui semble convenir et être progressiste, moderne au jour d'aujourd'hui Voilà. et audible pour nos contemporains, et ce qui de fait reste quand même, pour le coup, extrêmement culpabilisant et extrêmement nuisible. Tu vois, dans le livre, page, j'ai noté page 239-240, il y a le père Yves, hein, qui n'est pas dans un chapitre qui lui est consacré, mais qui, je ne sais pas si tu te souviens, c'est vers la fin du livre, hein, 239-240, un certain père Yves, d'une paroisse très dynamique, et dont la vision iconoclaste avait frappé Jean-François Laville. Et alors lui, il déclare qu'en paroisse, on est avec les grands, les petits, les vieux, les jeunes. J'essaye d'être proche des gens, on a des confidences, on est amis, on vit, on partage les joies et les peines. Au-dessus, il y a une église qui se contraint à un cercle fermé, elle est hors sol et je n'y adhère pas. Donc c'est un curé en paroisse qui dit ça. Je suis très bien là où je suis, dans cette communauté, avec toutes sortes de personnes, les grands, les petits, les vieux, les jeunes. Mais ce qui est au-dessus, cette église n'a rien dit et fabriqué des pervers qui sont le fruit du système. Je n'ai plus foi en l'église, je doute de son message, de la manière dont elle le transmet. Alors, bon, c'est ce qu'il dit. Moi, bon, c'est vrai que moi, par exemple, j'étais jamais à Rome. Ça me regarde pas. Bon, voilà. Et ce que dit le pape François, bon, parfois on dit oui, il est sympa, il essaie de. Mais ça ne change rien. Parfois on m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez quand Benoît XVI a été élu, qu'est-ce que vous en pensez après quand pape François a été élu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les gens, ils voient la tête, ils disent, ah, celui-là, il est bien rigide, l'autre, il est souriant, etc. Et moi, je dis. Je ne le connais pas, je n'ai jamais discuté seul à seul avec lui, en vérité. Ce n'est pas les photos, les encycliques et tout ça qui m'intéresse. Ça m'en prend un. Alors qu'il y a des aménagements, etc. Pourquoi pas? Bon, mais de toute façon, pour moi, ça, au quotidien, ça ne m'apporte rien. Voilà. Oui, c'est ça. Mais tout Peut-être. ça, Christophe, Voilà. si je me permets pour rebondir sur ce que tu dis, quelque part, quel que soit le pape, la doctrine évidemment reste intangible, elle reste la même par définition, sinon l'Église s'écroulerait. Donc les seules choses sur lesquelles éventuellement il y a des petites modifications, c'est la pastorale, c'est-à-dire la miséricorde. Mais tu restes foncièrement pécheur. On le voit bien, quoi, que la bénédiction des homosexuels, on l'a bien vu avec le synode de la famille il y a quelques années et les personnes divorcées qui pouvaient ou non communier, il fallait le parcours du combattant pour éventuellement être admis de nouveau à la communion. Donc on voit bien qu'il y a d'énormes tensions. Et en plus de ça, quand il y a une petite ouverture dans l'Église, les plus conservateurs te tombent évidemment, te tombent dessus. Donc c'est extrêmement complexe. Moi, il y a un Petite aspect. Allez, petite je te nuance, par laisse faire une exemple, petite nuance. le pape Benoît XVI, hein, on ne peut pas le soupçonner parce que justement, il y en a qui opposent Benoît XVI à François ou dans l'autre sens, peu importe. Mais moi, c'est Benoît XVI qui a dit que la doctrine des limbes, donc des enfants morts sans baptême, parce que saint Augustin disait qu'ils iraient en enfer, mais un enfer assez doux, etc. Mais ensuite, ces enfants morts sans baptême, fallait dire que le baptême était indispensable, mais quand même que les personnes qui. C'est une désolation pour les mamans qui avaient un enfant qui était mort sans baptême. Mais il a fait cette doctrine des limbes. Et finalement, Benoît XVI a dit, voilà, on la laisse tomber. Pourtant, dans les années 50, 1950, certains voulaient presque la faire comme une certitude de foi ou proche de la foi, pratiquement l'ériger en dogme, comme Marie co-rédemptrice. Enfin, il y avait tous ces conservateurs pré-Vatican II.
etc. Et finalement, on a laissé tomber. Mais bon, je dirais que c'est pareil que l'enfer. Et donc le purgatoire aussi, à un moment, il faudra bien dire des choses. Et puis ça va plus loin. Voilà, je veux dire, maintenant, je vais pas entrer dans les détails. Mais si l'Église, voilà. Donc quand même, il y a eu des points de... Au vu de l'expérience pastorale plus l'histoire des dogmes, a montré quand même que cette histoire des limbes, ça ne tenait pas debout. Donc c'est Benoît XVI qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein, Oui, enfin, il a dit ça, il n'a moi... pas dit d'autre chose, mais c'est vrai que Voilà. de Mais toute donc, façon, si tu veux, on sur le touche... plan général, on voit bien qu'il y a la difficulté, enfin, le risque de se fier à une parole fût-elle religieuse est dangereuse, parce qu'il y a quand même des personnes, effectivement, qui ont culpabilisé toute leur vie à cause d'une Oui, doctrine, et puis à un moment oui. donné, la doctrine, on la change, et on dit, ben voyez, c'est sympa, on a évolué, ça a changé. En attendant, il y a quand même des dégâts collatéraux, si je puis dire, pour des Ben oui, générations de compris. croyants. C'est pas rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc, jusque, ben, tous les biblistes, enfin les exégètes qui essayaient d'être restés catholiques, etc., ils devaient dire, au moins, pense, enfin, ils devaient croire, enfin, dire qu'ils croyaient, hein, ou croire qu'ils disaient que les cinq livres du Pentateuque ont été composés par Moïse, c'était encore la commission biblique au tournant des 19e, 20e siècle, et que plein de trucs comme ça, enfin bon, plein de... voilà, et puis après on laisse tomber. Et puis tout, alors ça a empêché, par exemple, l'exégèse historico-critique pendant de nombreuses années, il y a eu un peu des rebelles et tout ça. Tu sais que le Ah dernier, oui. sur l'index, alors l'Église a supprimé l'index des livres interdits, et le dernier qui a été mis à l'index... C'est un prêtre catholique, Jean Steinmann, qui était un exégète et dont j'ai lu les livres, enfin, d'ailleurs, qui sont l'Exo Divina sur Isaïe, Jérémie, etc. Et puis, parce qu'il a écrit un livre sur Jésus qui ne convenait pas à l'époque, donc déjà encore fin des années 50 ou au début des années 60, l'Église mettait à l'index des livres, bah, même des exégètes qui étaient restés catholiques jusqu'à la fin de leur vie, etc. Donc, tu vois, la doctrine, alors bien sûr, ils vont garder. Je crois. Alors, est-ce que c'est moi qui crois? Est-ce que c'est l'Église qui croit? Voilà, déjà, bon, en un seul Dieu. Alors, le Père Tout-Puissant. Alors, pourquoi est-ce qu'il est Père et pas Mère? Pourquoi est-ce qu'il est Tout-Puissant? Oui, Voilà, ça c'est toute la déjà. doctrine qu'on pourrait Voilà. Oui, effectivement, non, mais tout voilà, le credo déjà, qu'on tout. pourrait effectivement Voilà, je veux décortiquer dire. mot à mot pour voir ce qu'il en tient, ce qu'il en reste, alors qu'en réalité on continue à Créateur le. du ciel et de la terre. À l'époque, Oui, on croyait que mais oui, le ciel et bien terre. Bon, sûr, enfin, bien sûr, bref. c'est le credo et tout le côté un peu magique de l'époque avant que les sciences ne viennent un petit peu décortiquer Oui, tout et puis ça. c'était Mais le credo des... reste, le credo est continué de réciter tel quel, de toute façon, dimanche après dimanche, hein, donc voilà, Ouais. non mais c'est une réalité. Donc à un Ouais, moment ça. donné, Alors s'il n'y a après, pas un il y en a qui disent... décortiquage Oui. et une prise de conscience qui va jusque dans la révision du credo, on continue à demander aux gens, aux croyants, de réciter mot pour mot quelque chose qui n'est plus crédible. Donc à un moment donné, c'est un peu schizophrénique aussi Oui, de ça prendre les devient gens des pour des enfants. mantras, et finalement, à force de le dire, on y croit, et puis, enfin, voilà, je sais pas, enfin, c'est encore à voir. Et alors, tu disais, Christophe, que dans l'Église, il y avait des livres qui. Enfin, il n'y avait plus d'index. Mais c'est vrai que dans certaines communautés ou mouvements d'Église, il y a des livres qui restent encore à l'index. Et j'ai envie de dire, à commencer par les livres précisément qui ont été écrits par d'anciennes victimes qui sont sorties des dites communautés. Ces livres-là ne sont évidemment pas audibles. Elle est partie, elle est responsable, elle est coupable. Et il faut, je dirais, préserver. La communauté y éviter évidemment que la personne qui est partie ne fasse d'autres émules. Donc les livres par définition qui sont écrits par des victimes, ce sont des victimes qui sont en souffrance, qui sont responsables de leur situation, mais c'est jamais la communauté qui se met en question, c'est toujours la victime qui est quelque part problématique en soi. Oui, et puis c'est très difficile, voilà. Alors quand la dernière fois que j'étais il y a 2 ans à peu près dans mon sert d'origine à Flavigny pour une visite canonique, d'ailleurs qui s'est pas très bien passée parce que voilà un des visiteurs, enfin voilà, enfin, bref. Mais après j'ai vu le père abbé actuel qui est plus jeune que moi et bon alors je dis oui ça s'est bien passé, j'allais dire au revoir et puis est venu le prochain abbé et puis au début c'était cordial, tu sais je suis quelqu'un de poli, d'arrangeant, etc. Et après, ça a quand même bouillonné en moi. Alors, il ne faut jamais se mettre en colère, ça c'était dans le monastère, premier monastère, hein, jamais se mettre en colère, ni intérieurement, ni extérieurement. Et puis c'est là qu'il a dit 2 fois, on va dire, je vous salue Marie, etc. Je lui ai dit, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Voilà. Enfin, je l'ai dit peut-être un peu plus, ne fuyez pas. Voilà, parce que voilà. Et évidemment, moi, je n'ai pas encore lu de livre, je n'ai pas.
Au monastère, il y avait un enfer, hein, tous les livres qui étaient dangereux, enfin, ils étaient là, y compris Congar, y compris de Lubac, hein, je veux dire, qui maintenant était élevé à la dignité de cardinal, mais voilà, il n'y avait que Garrigou Lagrange qui était le théologien, voilà, mais tout le reste, Marie-Dominique Chenu, enfin, etc., c'est très mal vu. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse, donc j'ai pas connu, je ne connais pas de communauté où ces livres sont mis à l'index. Ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours vous dire, faire des lectures pieuses, voilà, apologétiques, voilà. Oui, il y a limite davantage la lecture du fondateur que la lecture de l'évangile aussi. Oui, c'est ça. Alors justement, à Flamis, il faudrait qu'ils ressortent ce qu'a écrit le père Augustin-Marie depuis la fondation de Flavigny jusqu'à l'approbation par l'Église. Je l'ai en ligne, enfin, assez mauvaise qualité, parce que c'est des scans de photocopies. Enfin, voilà, j'ai mis ça, je pourrais te faire le lien, mais c'est évidemment, ils ne veulent plus en entendre parler, ou plus que ça se sache, hein, tout Ouais. en continuant, finalement, tout en continuant. Parce qu'effectivement, voilà, ce livre montre bien que même si on dit on a fait des erreurs, c'est ce qu'on m'a dit, on a fait des erreurs, même si le fondateur est décédé, que voilà, mais c'est aussi l'influence du fondateur perdure à travers les générations suivantes. Hein. Ça, Bien sûr, c'est le bien cas sûr. dans d'autres communautés. Bien sûr. On va tout doucement, Christophe, s'acheminer Oui. à la fin de notre échange, mais je voulais quand même néanmoins évoquer avec toi également une thématique du livre qui me paraît extrêmement importante et dont le titre, à mon sens, est très évocateur et qui est intitulé Église, terreau de viol et d'abus. Là, on en revient effectivement à l'origine des abus et pas simplement, je dirais, au-dessus de l'iceberg ou de la cime. Donc, parce que là, on parle de terreau. Donc, il y a un aspect, par définition, systémique. Et tant que l'on ne prend pas le problème à sa racine, pour le coup, on va évidemment rien résoudre. Et toi, tu me disais, pour en venir à faire le lien, le pont, comme on veut, à ton propre témoignage, tu disais que tu n'avais pas été victime d'abus sexuels, mais dans ton testament spirituel que j'ai quand même envie de lire en partie et dont je mettrai le lien en description de cette vidéo, tu dis, je dois le dire, c'est l'Église qui m'a berné et manipulé durant un demi-siècle, tout comme elle en a trompé beaucoup d'autres. Elle m'a ôté la possibilité d'exprimer et d'épanouir ma personnalité, ma conscience a été violée, c'est clair pour moi depuis près d'une trentaine d'années. Donc ce sont quand même des mots extrêmement clair, limpide et en même temps extrêmement, extrêmement dur. Et je voudrais quand même également reprendre ce que tu as effectivement dit en filigrane et qui explique justement d'où tu viens, d'où tu parles et ce que tu as vécu. Quand tu dis notamment ceci, les phrases accentuées en caractère italique et grâce à cette présente page résument le côté positif de mon testament, à savoir bonheur profond de la solitude, joie intense d'être avec vous autres et même avec d'autres que vous. C'est un peu ce que tu expliquais aussi en termes d'apostolat auprès, je dirais, des plus démunis, des plus fragiles. Tu dis également, je veux contribuer dans la mesure de mes moyens à rétablir la dignité, la liberté de pensée et de choix de vie, la fraternité là où elles sont bafouées. Et donc voici le volet négatif de mon testament. Je déclare qu'après mon décès, je ne veux pas d'obsèques religieuses et j'interdis dès maintenant que soient célébrées des messes en ma mémoire ou pour le repos de mon âme. N'ayant pas pu vivre libre ni indépendamment de toute appartenance religieuse, n'ayant pas pu découvrir ni accomplir ma véritable vocation, je veux qu'au moins avec ma mort puisse être signifié mon refus de toute prière et de tout rite célébré par des représentants institués de l'Église. Comme d'autres religions importantes, celle-ci a pendant trop longtemps soumis des centaines de millions de personnes, dont moi, à des dogmes étouffants et à des injonctions castratrices, à des croyances déraisonnables et à son pouvoir abusif ou superflu. Alors, je ne sais pas si quand tu l'as écrit, tu percevais de la manière aussi rude que quand je le lis, mais c'est extrêmement fort comme propos. Et là, on en vient précisément au terreau même qui engendre les viols et les abus de toutes sortes. Oui, alors c'est vrai que même Jean-François Laville le dit quand il introduit le paragraphe, hein, le chapitre qui m'est concerné, il dit que on sent étrangement à l'entendre, malgré sa voix douce, le flot de révolte qui le submerge. Donc, je ne l'ai pas écrit ce testament spirituel, je ne l'ai pas écrit à la légère. Hein, j'avais écrit pour moi déjà en 2023. Et depuis longtemps, ce que je pense, j'avais écrit une fois sur Facebook
J'avais l'impression d'avoir subi un viol spirituel. C'était vraiment mon impression quand je suis arrivé chez Fraternité de Jérusalem en 94. Je me souviens, à Paris, j'avais vraiment l'impression, parce que j'étais mal aussi psychologiquement, cette intrusion dans ma vie, qui m'a, voilà. Non, non, ici, j'ai le, par exemple, le brouillon que j'avais fait le 30 novembre 2023, voilà. Voilà, j'ai repris grosso modo des phrases, j'ai un peu développé. C'est dur, mais c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas de péché à ne pas vouloir être enterré à l'église. J'ai jamais lu ça. Enfin, il me semble, hein. Il y a beaucoup de soldats pendant les guerres. Bon, on les enterrait dans une fosse commune, et puis après, on a éventuellement prié pour eux, fait dit une messe pour eux. Et puis voilà, et tous ceux qui sont morts dans des incendies. Enfin, voilà. Et puis, au contraire, c'est un honneur, hein. Molière, on lui a refusé la sépulture ecclésiastique. Voilà. Et beaucoup d'autres. Je veux dire. Voilà, donc ça, voilà, je veux dire, j'ai très sincèrement, assidûment, longuement cherché ma place dans telle ou telle communauté, et suis ensuite d'Église universelle. Voilà. Alors, évidemment, on réagit différemment. Alors maintenant, on va dire, ah, mais vous avez l'air vivant, vous avez l'air parfois même souriant, etc. Ça prouve que vous n'êtes pas une victime. Et puis, si c'est une personne, tu sais, récemment, il y en a une qui a mis cinq, où elle était vraiment en larmes, hein, voilà, qui a dit combien elle a été broyée parce qu'on lui a dit qu'elle avait été possédée, etc. Alors maintenant, je vois tout de suite certains responsables vont dire, oui, mais là, c'est parce que c'est l'émotion, etc., tu vois. Oui, Oui, c'est bon. jamais bon. Quand C'est jamais alors quand on si veut on est pas trop voir, c'est malheureux, si jamais on est trop bon. malheureux, vous êtes un pleureur, une pleureuse. Si au contraire on est souriant, finalement vous étiez heureux. Bah, lui dit mon précédent abbé, vous étiez heureux à Flavie. Bah, si j'ai quitté la communauté, si je cherchais autre part et que j'étais, c'est pas que j'étais en colère, j'étais très bien avec chacun des frères. Mais Évidemment, il y a une raison. Il y a une raison. Encore qu'il la tout. creusait, de pas être Et dans le c'est pour ça déni, qu'il faut évidemment. être, et puis être factuel, c'est pas toujours facile, parce que, comme dit, c'est des témoignages. Alors parfois il y a des écrits, etc. Alors soit on est trop factuel, soit on est trop souriant, soit on est trop pleureur, soit on est, enfin voilà, ils trouveront toujours un truc Ça, je pense qu'on l'a bien compris effectivement avec l'ensemble des témoignages. Tous les témoignages ne peuvent pas se résumer à des problèmes, je dirais, individuels, mais à un moment donné, de fait, il y a un problème systémique et il faut mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire effectivement que le problème systémique, il est dans l'Église et il n'est pas évidemment chez les victimes en Alors, premier. Je ne sais tout en pas, tout. Christophe, avant d'achever cet échange, est-ce qu'il y a encore un élément qui te semble important que tu souhaiterais aborder? Alors, tout dire aussi, bien sûr, l'Église est un terreau, mais Arnaud Gallet l'a souligné aussi, et puis la civise et tout ça, c'est que le premier lieu des abus, enfin là, c'est l'inceste notamment, c'est quand même les familles, hein, les familles, et ça, je vois trop. En hôpital psychiatrique, des vies qui ont été détruites par des abus sexuels subis dans l'enfance. Donc, bien sûr, l'Église est là, mais Oui, y a c'est autre d'autres chose. institutions. Voilà. Mais c'est vrai que ce terreau, parce qu'il y a aussi l'abus spirituel, l'emprise. Donc, finalement, souvent, on se sent enfermé, on se sent piégé, parce que si on veut prendre de l'air par au-dessus, par la spiritualité, tout de suite, là aussi, l'Église a son pouvoir et son emprise. Donc, c'est là. Sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Je te l'avais écrit, je l'avais éventuellement. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne réagis pas beaucoup sauf par des petits likes de temps en temps, sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, parce que il y en a qui écrivent leurs commentaires, parfois à chaud, etc. Moi, j'attends un petit peu, et puis quand j'ai attendu une semaine, ça me sort un peu de l'esprit. Il y a autre chose qui paraît. Mais ce n'est pas par désintérêt, simplement, voilà, Bon, on voit bien sur des blogs ou il y en a qui écrivent leurs commentaires, et c'est très sensé pour moi pour le moment. Hein, je pourrais écrire beaucoup de choses, je pourrais commenter beaucoup de choses, mais après, c'est. J'ai pas, je travaille à plein temps, hein, Non, largement, mais et il y puis j'ai a. d'autres soucis. Donc, Et oui. j'ai. Chacun Donc, réagit en fonction de non, mais il ne ses faut pas que intérêts, de ces ses personnes. envies, etc. Il n'y a pas de mal par rapport à ça. Je veux dire, Je ne suis on a pas. plein C'est de choses à pas. faire.
Parce que bon, actuellement sur les réseaux sociaux et sur YouTube, c'est un peu la chasse aux likes. Oui, bien Et sûr. puis si un tel, bon voilà, si c'est pas que je m'en désintéresse, hein, mais on peut pas. Non, mais C'est. de nouveau, je dirais que chacun, à un moment ou à un autre, ou pas, a envie de prendre sa part, de contribuer d'une façon ou d'une autre. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de petites pierres et de grosses pierres, à mettre, je dirais, à l'édifice pour faire voir qu'il y a, le cas échéant, des déviances et des abus et des emprises bien réelles. Donc, je pense que de fait, tu as pris la parole à travers ce livre aussi, raison pour laquelle je souhaitais précisément te donner la parole. Et pour en terminer avec une dernière question, Christophe, mais qui à mon sens a son importance, on sait qu'il y a déjà eu des livres qui ont été écrits bien avant, notamment précisément les livres dont on a fait état tout à l'heure, Naufragés, les Naufragés de l'esprit. C'est un livre de 1996, donc Oui, c'est ça. c'est voilà. Depuis le livre. Paru en 2023, celui dont on parle maintenant, il y en a encore eu d'autres. Mais Largement. du coup, qu'est-ce qui te paraît intéressant dans ce livre? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en exergue pour que les gens qui nous écoutent aient vraiment envie d'acheter le livre, de le lire, de le partager, d'en discuter? Quelle est un petit peu sa spécificité, si je puis dire? Mais la multiplicité des témoignages, leur variété, finalement, où l'auteur montre bien que c'est la source est la même, même si c'est, tu vois, des religieuses. Et puis il a dit justement, parce qu'il s'agit d'abord de religieuses, femmes abusées. Et puis il a dit, voilà, l'abus n'a pas de genre. Donc il a cité le père Lazare, moi-même, et puis le père Yves, en dehors, enfin, dans un autre contexte, mais vers la fin du livre aussi. Et bah, des religieuses qui viennent d'un milieu français, bourgeois, etc., bien catholiques, d'autres des religieuses missionnaires qui viennent du Burkina Faso. Il y a eu des religieux, des communautés, il y a eu des abus sexuels. Bon, là où j'étais, il n'y en a pas eu, du moins, il n'y en a pas. Il y a des soupçons pour quelque chose, mais ce n'était pas systémique. Voilà, c'est au contraire, il fallait être hyper chaste. Enfin, et comme je te dis, parfois, donc, c'est cette multiplicité, cette variété. Donc, ça se lit facilement de cette manière. Bon, il y a des livres, c'est vrai que. Michel-France Peynaud, son livre est L'Emprise, il écrit très petit, il est très dense. Et voilà, donc c'est très instructif, mais c'est différent. Cette variété, et en même temps, il est bien structuré. Et puis, et aussi la variété, comment les personnes ont évolué. Chez certaines n'ont plus la foi. Même dans une interview, l'auteur Jean-François Lavil, il y en a une seule qui n'a plus la foi, c'est Anne Mardon. Après, il y a une manière de considérer la foi. Chez certains, la foi est porteuse, hein, pour leur résilience. Hein, voilà, quelqu'un qui se retrouve sans argent, sans papier, sans rien, dans un appartement qui lui est prêté, etc. Voilà. Ben c'est important, moi aussi. Ben je me raccrochais à l'évangile. Bon, maintenant, je ne me raccroche plus. Il m'a imprégné, comme dit, des choses que je prends et que je laisse. Je suis un hérétique au sens propre. C'est un hérétique qui choisit Eireisen, c'est choisir. Hein. Ce n'est pas détruire, c'est pas. Voilà, je choisis. Et puis, de toute façon, qui n'est pas hérétique dans l'Église, hein. Chacun choisit son petit truc actuellement. Bon, enfin, Oui. bref, parenthèse finie, mais c'est cette variété dans ce livre qui se lit d'une certaine manière facilement. Voilà, parce que tu peux lire un chapitre tel jour, un autre tel jour, et comme c'est des témoignages écrits par les personnes elles-mêmes qui disent je, bien sûr, en collaboration avec le journaliste, c'est des styles différents aussi. Des styles différents, et de cette manière, il est facile à lire, et puis pour dire, ben, c'est un témoignage comme quoi, depuis. Les naufragés de l'esprit de 96, on disait maintenant ça ne se produira plus, ben, les choses n'ont pas changé et que il faut beaucoup travailler, beaucoup réfléchir, mais prier enfin, si j'ose dire, mais en vérité, c'est-à-dire seul avec soi, avec sa conscience, sans influence, pour que les choses n'existent plus, pour que ces dérives n'existent plus. Alors, bien sûr, ça sera très décapant encore pour l'institution Église. Hein, on est obligé de passer par là. Il faut avoir. Bon, enfin, mais ce livre peut intéresser aussi bien des croyants, des personnes qui sont en recherche, des personnes blessées, que des non-croyants pour savoir. J'ai dit parfois des personnes amies, mais non-croyantes, oui, c'est des abus spirituels. Ils disent que c'est quoi ces abus spirituels? Abus de pouvoir, ils peuvent. Abus sur personnes vulnérables, ils peuvent reconnaître. Mais quand.
ou abus sexuels, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle des abus sexuels, parce que c'est pas tant, c'est ça tout, voilà, c'est certaines manières, ça touche, hein, notre sensibilité. Mais abus spirituel, pour ceux qui ne vivent pas dans la spiritualité, bon, voilà, c'est un peu dans les nuages, quoi. Mais donc ça montre, mais donc ça peut intéresser aussi bien les croyants que les non-croyants, que peut-être aussi des personnes et d'autres religions qui se disent, quand même, chez moi, il y a pas, tout n'est pas clair non plus. Voyons ce qui se passe chez eux. Tu pointes là, je pense, Christophe, un élément important. De fait, évidemment, pour les croyants, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'emprise et éventuellement qu'ils se rendent compte petit à petit qu'eux-mêmes en sont l'objet, mais également pour les personnes qui sont hors de l'Église, qui sont éventuellement à milieu de la foi et de toute croyance religieuse et qui, du coup, ne comprennent pas ce que c'est que l'emprise n'ayant jamais vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent, il n'y a rien qui remplace, entre guillemets, l'expérience. Et pourtant, on voit que si la société prend conscience, à ce moment-là, évidemment, c'est porteur aussi pour ceux qui subissent l'emprise. Et donc ça fait tache d'huile, si je puis dire. On le voit bien notamment actuellement dans toutes ces prises de parole, et encore actuellement par rapport évidemment au monde du cinéma. C'est vrai que quand on n'est pas acteur, actrice, ni participant d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de ce qui s'y passe dans les scénarios ou autres, on a du mal à comprendre. On voit ces acteurs qui sont sur écran, qui sont souriants, qui font des belles carrières, qui ont de l'argent, etc. Ils vont être à milieu de penser qu'à l'intérieur, en réalité, ils vivent aussi des abus psychologiques, des abus sexuels. Donc c'est vrai dans tous les milieux, d'où l'importance que la société de manière générale prenne conscience de l'existence d'abus dans tous ces milieux et que ces abus sont transversaux. Je dirais que, on disait tout à l'heure, l'humain est ce qu'il est, il peut, le cas échéant, être extrêmement violent de façon parfois plus ou moins subtile, mais ça n'en reste pas moins de fait des lames de fond qui existent et qui peuvent détruire des vies, d'où l'importance aussi du coup de la sortie de ce livre paru en 2023. Donc c'est tout récemment et j'aurai l'occasion d'ailleurs, je l'espère tout prochainement également, de donner la parole à Jean-François Laville qui a eu, je dirais, l'idée brillante de vous réunir tous autour d'un livre et qui a eu aussi l'occasion, en dehors, je dirais, des témoignages, de prendre le recul suffisant pour avoir de nouveau, je le disais en début de cet échange, avoir cette capacité de décrypter de manière beaucoup plus profonde ce que ces différents témoignages nous disent. Et donc de pointer peut-être pas simplement les abus vécus par telle ou telle personne, mais également de pointer l'origine même de l'abus. Donc merci Christophe d'avoir mis Eh ben, cette petite pierre à l'édifice et d'avoir pris du coup la parole dans le cadre de notre eh échange bien, bienveillant. merci de m'avoir invité, Pascal, et puis bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci Christophe, à bientôt, Revoir, à bientôt. au revoir.